Je m'appelle Gerard Watkins et je joue le rôle d'un journaliste de la télévision dans ce film qui est à la fois un film sur la Commune de Paris et un film sur le rôle des masses médias dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule, avec un optimisme forcené. Et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement. Ces locaux sont actuellement investis par Armand Gatti et sa compagnie La Parole Errante. En avril de cette année, Peter Watkins et 13 productions ont entamé la construction du décor du film et ont essayé de recréer l'atmosphère du 11e arrondissement pendant la Commune de Paris. Nous voudrions maintenant vous présenter l'espace où nous avons travaillé pendant 3 semaines. Hier, nous avons fini le tournage et le décor est exactement dans l'état où nous l'avons laissé après la dernière scène du film. Le texte qui suit sera ajouté dans quelques mois. Au-dessus d'une barricade flotte le drapeau tricolore du gouvernement français, là où quelques heures auparavant se trouvait le drapeau rouge de la Commune de Paris. Sur la gauche, se trouve ce qui reste de la mairie, où le sous-comité révolutionnaire du 11e jouissait jusqu'à hier d'un pouvoir absolu. À l'extérieur, un officier des forces gouvernementales était assis devant cette table, avec un stylo et de l'encre, et a condamné des centaines de communards du quartier à une mort instantanée, sous les balles d'un peloton d'exécution. Au-delà de cette table se trouve une cour du quartier, avec ses mouches et sa fosse d'aisance. Et à côté, le café où nous avons filmé des discussions avec les comédiens sur la Révolution et la société contemporaine. Juste derrière, le Monde Piété, un système gouvernemental de prêts sur gage qui maintenait la classe ouvrière de l'époque en état d'endettement permanent. Des biens précieux, matelas, draps, chaussures, ustensiles de cuisine, vendus si les familles ne pouvaient se les racheter. Un canon, financé sur les maigres ressources de la communauté locale, repose, délaissé. Sur cet espace ouvert, hier soir, les corps jonchaient le sol et un peloton d'exécution gouvernementale tirait et rechargeait sans cesse. Parmi les tués ici se trouvaient des ouvriers qui réparaient les carabines de la garde nationale, des femmes d'un atelier de couture, des enfants de 13 et 14 ans qui combattaient sur les barricades, et le boulanger du quartier avec sa femme. Nous vous demandons d'imaginer que nous sommes désormais le 17 mars 1871. Je suis le grand-père Thibaudier. Nous sommes 5 dans une petite pièce dans le 11e arrondissement de Paris. Le 11e
est un quartier très pauvre et dur à vivre. Mais il y a plein de jeunes qui dorment encore dans la rue. Donc nous ne sommes pas encore parmi les plus malheureux dans cette société. Mais il faudra la changer un jour. Oui, ben, je m'appelle Henri Dubrieux. Je habite là, cette cour, comme vous pouvez voir. Moi, je suis monté à Paris de ma Franche-Comté il y a à peu près 24 ans, au moment de la crise économique. J'ai vécu d'ailleurs 1848 et ce qui se passe un petit peu aujourd'hui me rappelle 1848. Seulement, les circonstances ne sont pas les mêmes. Hein. On vient d'être battu par les Prussiens. Ils viennent là de nous humilier le 18 janvier dernier en proclamant leur empire à Versailles. Quant à ce qui se passe à Paris, on peut quand même regretter une chose, c'est que l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, qui est surtout la représentante de la province, ait pris un certain nombre de décrets et de lois qui sont complètement ridicules, notamment le paiement des loyers. Il faut savoir quand même qu'on vient de vivre un siège, on vient de vivre des circonstances très difficiles, et vous en doutez bien qu'actuellement, tout le monde est quasiment ruiné. Alors, ils auraient mieux fait d'attendre, d'être un peu plus diplomates. Ce que je crains simplement, c'est que tout ça dégénère. Hein. En attendant, on ne sait pas où on ira. Quant à mon boulot, moi personnellement, je fais un petit peu de briques et de broc. Je suis surtout écrivain public. Je donne des cours, hein, comme au petit Marcel qui est ici, là, à côté de moi. Alors, c'est le fils là, de mes voisins. Alors, des braves gens, très sympathiques. Et puis, il me reproche parfois d'ailleurs d'être sévère, parce que j'exige qu'on sache lire, écrire et compter. Hein. Mais je lui ai dit que savoir lire, écrire et compter, c'était la condition d'être un homme libre. Voilà, sinon c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Enfin, quand même, je suis quand même inquiet pour que ça dégénère. En attendant, si ça dégénère d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va bien se marrer, c'est ce fumier de Bismarck. Voilà. Dès 5 heures du matin, les mères sont là, les pauvres, avec leurs enfants sur les bras, des enfants qui pleurent. Mais c'est triste. Vous savez, les gens n'ont pas mangé pendant le siège. Ils ont mangé des racines, mais c'est affreux ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, les enfants sont malades. On entend dire des choses à la boulangerie, des petits-enfants qui meurent de faim parce que le pain n'est pas de bonne qualité. Oui, le pain, on le fait comme on peut. Faut dire que on commence à arriver de la farine, mais pas de bonne qualité. Alors, pour faire de la quantité, il faut mélanger les farines. On met du blé noir, du seigle, on met le son pour essayer de faire du pain, parce que les gens, ils ont faim, donc on est obligé de faire de la quantité. Ils demandent du pain, les gens. C'est une des seules nourritures que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc... Et moi je dis que... Moi, je ne peux plus supporter de voir ces gens aussi malheureux, ces gens qui pleurent, ces mères malheureuses. Et moi, je dis que ce n'est pas possible que ça dure. Ça va craquer. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens souffrent trop. Ils en ont assez. La révolution de 89, c'était une révolution de bourgeois, ça n'a rien changé pour les gens comme nous. Pareil, les travaux du baron Haussmann dans les beaux quartiers. Ah oui, on passe devant des vitrines, il y a des splendides costumes, des jambons qui pendent au plafond. Mais c'est pour qui ça? Nous n'aurions pas assez de trois vies dur labeur pour se payer ces choses-là. Nous, on est là dans la même misère que toujours. Mais ça, je veux pas que mes enfants ils aient à vivre ça toute leur vie.
C'est pour ça que je veux faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais participer à la garde nationale, je pense que c'est un bon début. Je m'appelle Constance Fillon et j'habite le quartier avec ma fille Frédérique. La cour, c'est comme une famille pour elle. Je suis veuve depuis 5 ans et elle a trouvé sa place à l'orphelinat, rue d'Oberkampf. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, heureusement qu'elles étaient là, parce qu'avec le métier que je fais, je suis sage-femme, donc je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Je peux vous dire que ça bouge en ce moment dans Paris. Hein. Le maire Motu, là, on l'a élu. Il parle de faire des écoles laïques. Il en faut des écoles, l'instruction, il en faut. Les gosses dans les rues, ça peut pas durer. Mais les cornettes, elles sont là, elles étaient là pendant le siège. Elles nous donnent la soupe, les soins, et puis... Toi, tu t'y plies avec elles? Oh oui, moi je trouve ça très bien. Elles sont très gentilles, les sœurs. Mais j'ai peur que l'école ferme. Je m'appelle Françoise Boisdard. Je suis institutrice. Institutrice au chômage. Je me suis mise volontairement au chômage. Car j'ai refusé de travailler. J'ai refusé de prêter serment. J'ai refusé de me mettre complice d'une éducation que je déteste. Une éducation fondée sur la religion, qui amène les enfants à se replier sur eux-mêmes, à de la soumission, à une autorité. Je m'appelle Marie-Louise Bauger. Je suis institutrice aussi. Moi, j'ai travaillé sous Napoléon III. Mais j'ai démissionné, parce que j'en pouvais plus. Fallait faire des prières. On était obligé à faire des prières aux gamines, à leur apprendre la couture, quoi. Des trucs qui servent à rien. Enfin, leur faire devenir des, comme leur mère, couturière, lavandière. Rien de plus. Alors j'ai démissionné. Et mon ami et moi, nous lisons régulièrement la revue qui est publiée par la Société pour l'éducation nouvelle. Et nous croyons beaucoup à tout ce qu'ils écrivent. Nous voulons que ça change. On vit une époque pleine de troubles terribles. On souffre tous, beaucoup. Mais on a tellement, tellement d'espoir. On voudrait que les filles apprennent à lire, à écrire, toutes. Qu'elles aient un métier, un vrai. On veut changer tout ça. Soldats, engagés du 66e et du 140e bataillon, je vous ai vu arriver. C'est un véritable bordel. Vous êtes dans la garde nationale. Silence, général !
Silence! Vous êtes dans la garde nationale! Ce qui demande respect, déjà! Fermez-la, qui peut! Obéissance, discipline! Tâchez-vous! Ce matin, il y en a qui sont arrivés encore en retard! Fermez-la! Vous n'êtes plus à la maison! Vous êtes à la garde nationale! Arrêtez votre bordel! Je vous demande le respect! Silence, donnez-moi! Oui, on va quand même. Mais bon, sergent, vous voyez pas, il est bourré toute la journée! Sergent! Maintenant, nous allons écouter le capitaine Lemonnier. Avec respect et pas dans le bordel! Mieux au respect! Citoyens! Allez-y, mon capitaine! Notre garde nationale s'est organisée en une fédération pour faire face à un gouvernement de défense nationale qui a trahi nos aspirations! Contre la tyrannie et l'exploitation humaine. À mort. Nous sommes pour la fraternité et la solidarité universelle. Les bruits courent que le gouvernement veut nous retirer les canons que nous avons payés. Le gouvernement de Thiers a déjà pris toute une série de mesures inacceptables pour la population parisienne. Et pour eux, avec un courage exemplaire. Sans prendre en compte cette situation, il s'est empressé de décréter le paiement des loyers et des échéances commerciales qui avaient été... Il a décrété aussi que les objets déposés au Mont de Piété seraient vendus aux profiteurs. Citoyens, on attend à nos droits les plus fondamentaux. Soyez braves, soyez courageux et soyez vigilants, ne vous laissez pas spolier. Je suis Madame Théron. Je suis Émile Théron. Nous avons une petite affaire de bijouterie. En ce moment, c'est très difficile à cause des décrets pris par le nouveau gouvernement. En effet, nous devons payer les loyers et les dettes. Et nous n'avons pas trop d'avance. Et donc, ça va être très difficile, je pense, pour nous les semaines qui suivent. Ouais, en plus, il faut voir ce nouveau gouvernement. Avec les dernières élections, tous ces monarchistes qui ont été élus, ça, c'est quand même assez affolant, quoi. Assez affolant. En plus, depuis le siège, c'est de pire en pire. On est de plus en plus... vraiment, tous les gens que je côtoie autour, ici, c'est de plus en plus la misère. De plus en plus, vraiment. Oui, de plus, moi j'ai très peur parce que depuis le début des événements, il y a beaucoup de formations de bataillons de la garde nationale. Il y a beaucoup d'agitation et moi ça me fait très peur. Bon, ça, c'est sûr, c'est, je sais pas, on pressent un drame, quoi, une guerre civile ou quelque chose comme ça. Vraiment quelque chose de terrible, parce que les gens n'ont plus rien à perdre. Il y en a beaucoup, vraiment, qui n'ont plus rien à perdre. Oui, c'est vrai. Et puis pour moi, en plus, il est hors de question que j'aille me battre contre des Français, car je suis Français, et donc je n'irai pas à la garde nationale, et je pense que... Nous risquons d'avoir des problèmes avec les autres gens, avec le quartier, plus tard. Ça, de toute façon, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas se battre. Il n'ira pas se battre dans la garde nationale, sûr. Je l'en empêcherai.
Vous semblez bien nombreux ce matin à Paris. On aimerait bien savoir ce qu'il se passe. La garde nationale dispose de plus de 300 canons, dont ils se sont emparés lors de l'arrivée des Prussiens à Paris. Ces canons sont entreposés à Belleville, Montmartre et dans d'autres lieux de la capitale. Ces canons sont le symbole du pouvoir militaire indépendant de la garde nationale dissidente. Les négociations pour récupérer ces canons ayant échoué, le gouvernement de M. Thiers a décidé de récupérer ces canons. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ce matin ? Non, c'est vraiment pas ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment, on est dans le flou total. On meurt de faim, c'est tout, quoi. C'est vraiment... Ouais, on n'a pas de cigarettes, on a... Puis on n'a pas le droit de parler, quoi, sur tout ça, quoi. Et puis, si on va prendre les canons, moi je dis oui, hein, on en a besoin pour reprendre Paris. Mais ils nous disent de tirer sur le peuple. Là, je peux pas, là. Là, je suis pas d'accord. Moi non plus. Moi, je pense que cette opération est totalement foirée. Parce que s'ils nous envoient récupérer les canons de la garde nationale, hein, eh bien, où sont les chevaux qu'on a besoin pour les traîner? On n'a même pas de chevaux. Ouais, ouais. Une baisse de tonnes, hein, des canons. Ouais. Ils vont quoi? On va les porter, les ramasser sur le dos? Ils nous prennent pour des bêtes, les officiers? Nous avons l'ordre d'empêcher tout rassemblement d'hommes en armes et de les empêcher de se diriger vers les quartiers populaires de la ville où nous allons procéder ce matin même à la récupération des canons. Si nous devons nous battre, nous nous battrons. Si nous le faisons, nous ne ferons pas de quartier. Oui, je crains qu'une partie de nos soldats refuse d'engager les hostilités vis-à-vis de la population parisienne. Ce sont pour la plupart des jeunes recrues qui ne comprennent pas la nécessité d'une action vigoureuse contre les éléments rouges. Je m'appelle Marie-Louise Thibaudier. J'ai deux enfants, Jacques et Céline. Mon mari est vidangeur, travaille le soir. Et bon, moi, c'est vrai que j'en profite pour faire des finitions pour un grand magasin parisien, pour arrondir un petit peu ma paye. Parce que je travaille à l'atelier aussi dans la journée, comme couturière. Donc en plus, mes deux enfants et mon mari, il y a Jules qui est à la maison, donc il n'a pas de retraite. Mais bon, on arrive toujours à lui donner une soupe. C'est vrai qu'ici, dans le 11e arrondissement, les familles comme nous, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chômage. Et moi, c'est vrai que je me sens quand même comme étant privilégiée. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui recherchent du travail. Moi, à l'atelier, tous les jours, j'en vois passer. Et ça me fend le cœur de ne pas pouvoir faire quelque chose pour elles. Mais bon, moi, je ne peux pas faire autrement que travailler. Si je leur donne ce que je fais... Oh!
Piton. Nous allons faire usage de la force. Dites-nous. Télévision nationale Versailles, dernière heure. D'après les nouvelles qui nous parviennent de Paris, de graves désordres viennent d'éclater dans la capitale à la suite d'une manœuvre de la troupe pour saisir les canons illégalement détenus par la garde nationale. Deux de nos généraux, Lecomte et Clément Thomas, seraient retenus prisonniers par la foule. Leur jour serait en danger. Je répète... Eh bien bonjour, donc je suis en direct dans le 11e arrondissement, donc votre reporter pour Télé Versailles National, pour vous informer des événements incroyables qui se déroulent ce matin à Paris. En effet, de nombreux mouvements de... Nous aimerions, je suis de la télé versaillaise et j'aimerais savoir, on aimerait savoir un peu ce qui se passe. Ouais, dites-lui à ce champ foutre de tiers de revenir ici dans le 11e. Il règne une ambiance tout à fait étrange actuellement à Paris. Ça monte à Versailles. Il est très difficile d'avoir des réponses sur les événements, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? La situation est assez déconcertante, à mon avis. Et qui êtes-vous actuellement Je m'appelle Wickham Hoffman, je suis en fait l'assistant du ministre des États-Unis, monsieur Washburn. Et qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent penser de ce qui se passe actuellement à Paris? Personnellement, je trouve la situation assez grave. On a ces gens-là, une foule insurrectionniste dans les rues, et on est assez inquiets là. Je trouve surtout pour les propriétaires de Paris, c'est une situation très inquiétante. Je vous remercie, monsieur. Et vous, madame, que pensez-vous de la situation, de tous les événements qui se passent actuellement à Paris? Écoutez, je suis extrêmement anxieuse parce que je suis très inquiète. J'ai un mari médecin. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Vraiment, je suis très, très, très inquiète. Est-ce que vous pensez que cette émeute peut s'empirer? Est-ce que vous pensez qu'un climat de guerre civile peut arriver? Je le crains très fortement. Et vous, madame, et vous? Moi, je suis catastrophée. La guerre vient de finir, c'est la paix. Et puis d'un seul coup, ça éclate. Je comprends pas pourquoi. Et vous allez, vraiment, j'imagine pas. Vous allez rester dans Paris? Moi, il faut que je reste. J'ai des ouvrières. Je vais au moins préserver mon outil de travail, quand même. Et vous, madame? J'ai très peur. Je suis inquiète. Je trouve que ça frise la guerre civile, tout ça. Ça sent mauvais. Moi, je suis très inquiète. J'ai très peur pour tout le monde. Monsieur, je refuse de me laisser gagner par la panique. Nous ne craignons rien. Qui sont ces hommes? Ce sont des restes de justice, des ivrognes. L'armée régulière viendra mettre bon ordre à tout cela. Dans le 11e, ça bouge. Et Paris, ça bouge. Il y a trop de misère. Ça ne peut pas durer. La fin des privilèges. Vous voyez, il règne vraiment une ambiance très très dure à décrire actuellement à Paris. Il semblerait qu'un mécontentement très important règne actuellement dans la capitale. Est-ce que c'est très très difficile de comprendre ce qui se passe actuellement sur Paris? C'est une télévision bourgeoise vendue au pouvoir. On n'en veut plus. On a parmi nous des journalistes, de la presse. C'est au pouvoir. Une télévision communale. Oui, mais oui, bah,
avoir les moyens. Une fois télévision, une fois t'as vu dans ces oui, mais vous ne savez pas. Mais justement, il va falloir qu'on crée ensemble. On va faire quelque chose de différent. Il faut qu'on ait des images. 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 Il faut qu'on ait il faut que vous vous adressiez au comité central de la garde nationale, qui est l'organisme qui s'occupe du peuple, oui, de nous. Mais auprès de vous, c'est votre boulot. Mais c'est un autre matin. Pourquoi ça réussit là? Parce que les femmes, sans même se le dire, toutes devant comme ça, en train de défendre les canons. Ça veut dire qu'ils font ça en pleurant. Et c'est grâce à nous. Ça veut dire qu'ils sont prêts à toutes les traîtrises et qu'il faut rester, Maxime. Ah, il faut qu'on reste ensemble. Parce que sinon, ils vont revenir parce qu'ils vont la bénir. Ils nous verront, ils ne sont pas prêts depuis le temps. Ça ne suffit pas, les canons. Notre république avec ces monarchies qui veulent reprendre le pouvoir. Ouais, moi je suis d'accord. Je comprends ce qu'ils font, mais c'est de la folie. Je pense que maintenant qu'ils ont défendu aujourd'hui la souscription du peuple en défendant les canons, ils redéfendront la souscription du peuple en défendant le denier du culte et nos églises. Qu'est-ce que c'est ? La provocation, je te dis que c'est... Qui nous parviennent de Paris. De graves désordres viennent d'éclater dans la capitale à la suite d'une manœuvre de la troupe pour saisir les canons illégalement détenus par la garde nationale. Deux de nos généraux, le Vizier et Clément Thomas, seraient retenus en prison. Leur chien serait en danger. Ça, c'est pas vrai. J'aimerais bien savoir quelque chose. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils peuvent reprendre les canons sans amener de chevaux. Ils sont venus sans chevaux, sans chevaux, pour reprendre des canons. C'est possible, comment ça, mes amis, reprendre des canons sans chevaux? Des histoires, qui verront l'histoire des deux soldats là qui sont prisonniers, il n'y a absolument rien à craindre. Quant aux canons, ils sont mieux chez nous que chez les autres. Dites-leur à ceux de Versailles, dites-leur, nous, on va se battre, vous entendez, on va se battre. On n'a pas peur de mourir, nous. Bonjour. Je m'appelle Charles Capellaro et je suis membre du sous-comité de la rue Bafroid. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors nous allons investir la mairie afin de prendre en compte les affaires du quartier. Voilà. Qui êtes-vous? Bonjour, François David du sous-comité. Une nouvelle équipe occupe la mairie, ils sont à côté. Ah, d'accord. Et vous êtes là depuis combien de temps? 7 ans. D'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Aujourd'hui, le peuple du 11e arrondissement de Paris reprend sa mairie pour s'occuper par lui-même, pour lui-même, de ses propres affaires. On prend le pouvoir pour lutter contre un gouvernement de traîtres. On ne veut plus se faire confisquer la révolution. C'est fini, 48, c'est fini, maintenant, la révolution, on l'a fait, maintenant, avec tous les gardes nationaux. Nous sommes tous des citoyens du 11e. Nous sommes les élus du comité de la garde nationale. Contre toute tentative de renversement de la République. Plus d'animation, plus de monarchie. Il y a de légal ce qui est conforme à l'intérêt commun.
Nous, cette nuit, le gros tiers se heurtait à la conviction populaire. Vive les Parisiens! Vive la Nouvelle République! Liberté! Égalité! Fraternité! Je pense qu'avec l'énergie populaire qui se dégage aujourd'hui, nous irons très loin. Le peuple est en colère. Il a réussi à empêcher l'armée de reprendre les canons. Et vraiment, cette colère est légitime. Mais ce qu'il y a de vraiment enthousiasmant, c'est qu'ils ont réussi à fraterniser. Et ça, c'est vraiment un immense gage d'espoir pour l'avenir. C'est vraiment un jour exceptionnel aujourd'hui. C'est à nous maintenant, la garde nationale, d'assurer le pouvoir du peuple de Paris afin d'éviter le retour de l'ordre ancien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont fait, le gouvernement entier? Ce gouvernement lâche et corrompu n'a que ce qu'il mérite. Pire que d'enlever le pain aux gens, ils leur ont enlevé l'espoir. C'est très dangereux. Imaginez-vous, ils voulaient tirer sur le peuple, sur son propre peuple. Nous, on ne ferait jamais ça. Télévision nationale Versailles, dernière heure. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec une douleur profonde que nous devons donner le récit des désordres dont Paris est le théâtre depuis hier. Nous venons d'apprendre avec horreur que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été sauvagement exécutés par la foule qui s'est interposée lors de la reprise des canons de la garde nationale à la butte Montmartre. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes fiers et heureux de vous présenter donc notre première émission. Notre émission que nous allons appeler Télévision Communale, parce qu'on parle beaucoup de communes en ce moment. Nous allons peut-être avoir quelques problèmes techniques, parce que nous manquons de moyens pour l'instant. Je me présente citoyen Gérard Bourlet. Et citoyenne Blanche Capelier, donc avec nous, nous avons le reporter au Père Duchesne, Joachim Rivière. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fictif? Complètement fictif. Si je suis présent dans ce film, c'est pour témoigner de l'importance de la presse écrite dans le processus révolutionnaire de la commune. Le Père Duchesne est interdit depuis 10 jours à peu près? Oui, en effet, le général Vinoy a interdit le Père Duchesne il y a une dizaine de jours. Mais avec l'arrivée du comité central à l'hôtel de ville, nous comptons reprendre nos publications dès demain. Pendant ce film, on va souvent nous servir de citations du Père Duchesne et du Cri du Peuple qui, elles, sont authentiques. Et nous allons maintenant commencer un interrogatoire, comme ça, une série de reportages, comme l'interview des gens du 11e, pour savoir un petit peu de quoi ils ont besoin maintenant que tous ces changements sociaux arrivent. Bonjour. Donc de quoi avez-vous besoin? De la télé des riches ou des pauvres? Non, nous sommes la télévision communale. Bon, ça va. De quoi on a besoin? Oui. En tout cas, on va rien demander aux riches, moi je vous le dis, on va rien revendiquer non plus. Parce que maintenant, les arbres, on les a. Là, je vois pas qui va me reprendre mon arme maintenant. Parce que nous, on est le peuple armé. Alors on va prendre, on va occuper, voilà. Et on va sûrement pas les prier monsieur Thiers ou d'autres pour nous faire des réformes. Des réformes, on veut pas. C'est la révolution aujourd'hui. On a sué. Depuis le temps qu'on sue. Et bien aujourd'hui, on a les armes, on prend tout ce qu'ils ont. D'accord, merci beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je veux du travail. J'étais cuisinière dans une famille bourgeoise et puis m'ont licencié. Alors maintenant, j'ai plus rien. Alors ce que je veux, c'est du travail. Je lave le linge, n'importe quoi, mais je veux travailler, qu'on me donne la possibilité de travailler. D'accord. Et vous? Bien sûr, moi, comme tout le monde, j'ai faim, mais pas seulement. Je trouve que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on a aussi faim d'apprendre. C'est-à-dire qu'on en a marre que l'éducation et apprendre à lire et à écrire, ça soit le privilège de gens qui s'en servent pour nous rendre encore plus esclaves. Aujourd'hui, l'égalité, ça veut dire que tout le monde peut aller à l'école, tout le monde récupère le droit à ce qu'on appelle la culture des bourgeois. Mais on a le sens du beau, on a le sens de la,
de la pensée aussi. On veut pouvoir être critiquer les choses autour de nous. Et pour ça, il faut qu'on puisse apprendre. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez des changements qui ont lieu en ce moment ? Eh bien, nous, on veut des écoles. On veut des écoles pour mettre tous nos enfants. On en a assez de voir on tous ces enfants qui traînent dans les rues. On veut des locaux. On sait qu'il existe des locaux vides et on voudrait les remplir d'enfants. Oui, voilà. On voudrait que les filles apprennent à lire, à écrire, un vrai métier. Il y a trop d'enfants dans les rues. On veut rencontrer les parents qui nous amènent leurs enfants. On veut qu'on s'organise. Voilà. On a besoin de s'organiser, on a même besoin de parents qui nous aident à penser à cette école nouvelle, une école laïque, obligatoire, gratuite pour tous les enfants. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Ce que j'attends, c'est l'arrêt total de l'esclavage, de l'exploitation. Il y en a marre, on n'en peut plus. On est traités comme pire que des animaux, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. Femmes, la dignité, les femmes, même en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, il n'y a aucun espace pour les femmes. La dignité. On a besoin de dignité. Il n'y a pas de place pour les femmes aujourd'hui. Il faut une vraie parole pour les femmes. Il faut un journal pour les femmes. On ne connaît pas les problèmes des femmes. Elles n'ont pas la place dans cette société. Aussi bien au niveau du travail que de la parole. On veut un journal. On veut une feuille de chou, n'importe laquelle. N'importe une presse qui ne soit pas censurée, où les femmes peuvent poser les problèmes des enfants. Les enfants, le travail, c'est vraiment ça aujourd'hui. Ça suffit. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de ces changements aujourd'hui ? On attend du travail. C'est-à-dire que tout le monde demande du pain ici. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail. Le travail, c'est la dignité. C'est ça qui compte. Il faut qu'on trouve des solutions immédiatement pour s'en sortir. Et puis des solutions à long terme, parce que jamais plus on travaillera comme avant. Plus jamais dans les conditions dans lesquelles on a travaillé jusqu'à maintenant. Il faut que ça change pour toujours, pour l'avenir. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, on vient pour voir un peu s'il n'y aurait pas un peu de travail pour nous, parce qu'on en a qui ont du travail. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie Versailles, hein, parce que Versailles, si jamais on les oublie, ils vont pas nous oublier, eux. Alors on vient voir les copains et on espère qu'on aura un petit peu de travail quand même qui va se décider. Parce que ça peut plus durer comme ça. Hein. Et de quoi avez-vous besoin? De ce qu'on a besoin, on a besoin d'argent. Moi j'ai besoin d'argent pour faire tourner l'atelier. Si j'ai pas d'argent, je peux pas faire tourner. Donc il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut du boulot, du travail. Et j'espère que le futur pouvoir qui va être mis en place va pouvoir me donner ça. Parce que je ne suis pas venu faire venir des copains de Picardie pour une heure pour pas travailler. Mais moi j'en ai des besoins, mais j'attends une reconnaissance de toutes les femmes là, du quartier du 11e. Car c'est grâce à nous qu'on n'a pas pris les canons, et c'est grâce à nous que les lignards n'ont pas tiré. Alors s'il vous plaît, que le comité central nous reconnaisse et qu'on fasse partie de cette nouvelle assemblée. Car on est la révolution vive. Et vous attendez quoi? Vous voulez le savoir? Mais attendez, tiens, regardez là. Ouais, Elisabeth, c'est elle que je veux. Elisabeth, je la veux plus. Elisabeth, 20 ans, c'est elle. 20 ans qu'elle m'a exploitée. Voilà, elle est là, elle ose venir ici. Tu n'as pas le droit de me quitter. Alors qu'on fait la queue pour le parc. Regarde là ce qu'elle me dit. Tu as un engagement moral envers moi, Elisabeth. Je veux changer de travail, j'en peux plus, moi, de cette condition. Elisabeth, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu m'as donné? À toi, à rien du tout. Je t'ai accueilli chez moi, avec ma famille, avec ma famille. Mais je lui ai torché le cul, elle vous le dit pas, ça, quand elle avait ses règles, même quand elle avait ses règles, elle les avait, je l'ai lavé. Comment tu vas faire quand je serai plus là? Je prierai pour l'âme de ton fils, c'est tout ce que je peux mais faire. Mais rien du tout, tu t'es pas privé pour mon fils. Bonjour, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je commence à en avoir assez, indirectement. Je suis devenue l'esclave du patron de mon mari. Petit à petit, je deviens l'esclave de mon mari qui n'en peut plus. Il faut que j'aille à la mairie tous les jours, rapporter les tickets de rationnement. Ça ne peut plus durer. On peut en parler des conditions de travail, c'est temps que ça change. On travaille nuit et jour dans cette maison et on n'est même pas payé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mais j'ai l'argent pour récupérer ma machine à coudre. Mais la machine à coudre, comment la machine à coudre? Mais ça fait deux mois que la charrette, elle est partie ce matin. Mais j'ai tout l'argent. La salle des ventes, j'ai plus l'argent. Vous connaissez le cinquième quart? Oui, je travaille 17 heures par jour. Le cinquième quart, vous savez ce que c'est? Regarde pas ce qu'elle fait le soir. Mais c'est pas tout le soir, c'est toute la journée. Je veux pas le savoir.
À l'heure où je vous parle, le gouvernement a évacué Paris, suivi par l'armée régulière qui se replie en bon ordre. Les bataillons de la garde nationale ont investi les mairies et les casernes de l'est de Paris. Nous approchons maintenant de la garde nationale. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 De quoi avez-vous besoin là? Venez nous voir. Écoutez, on a les meilleurs hommes. Regardez ces hommes. On a les canons. Ce qu'ils nous manquent absolument, c'est des munitions, des godillots. Regardez les gens. Ils sont pieds nus. On n'a pas d'uniforme non plus, des munitions et des fusils modernes. L'organisation est très bien, l'organisation de la garde nationale est absolument démocratique et fédérale. On est très content qu'on ne touche pas à ça surtout. Hein. Mais par contre, des fusils et des munitions. Écoutez, regardez, on a encore des fusils à piston qui datent du début du siècle. Il faut 3 à 4 minutes pour les charger. La poudre est toujours mouillée, le coup part une fois sur quatre alors que les Versaillais ont des chasse-pots qui tirent 7 à 8 cartouches à la minute. Comment vous luttez avec des fusils du Moyen-Âge contre des fusils modernes? Absolument anormal. On y va, on prend les fusils, on prend le pouvoir. De la garde nationale se soit installée à l'hôtel de ville, mettant la capitale en situation insurrectionnelle. Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? Il ne faut pas regarder la télé nationale. Non, il faut regarder la télévision qui appartient aux gens maintenant. Oui. Commence dès demain avec une billet de Père Duchesne. On a été interdit. Vous écriviez des lettres au Père Duchesne. Oh, mais on n'a pas le temps. Vous écriviez des paires de lettres au Père Duchesne. On fait confiance. Mais non. Mais tu les publies, nos lettres. Et tu les publies en entier. Moi, je crois qu'on a besoin surtout d'aller attaquer Versailles, parce que cette histoire de reprendre les canons sans amener de chevaux pour les tirer, ça tient pas la route. Alors mon avis, c'est que s'ils avaient voulu provoquer une insurrection, ils ne seraient pas pris autrement. Et qui dit insurrection, dit quoi, messieurs, dames? Répression. Versailles est affaibli. Pour combien de jours, on ne sait pas encore. Il faut absolument réagir tout de suite, avant qu'il soit trop tard. Après, on sera marron. Bonjour. De quoi avez-vous besoin là? On a besoin de changer de gouvernement, on en a marre d'être par des malades, d'être gouvernés par des malades. Des assistés. On veut plus se taire. On en a marre de se taire. Maintenant on veut la parole. Vous parliez de nous. La guérison de vous voudriez comment on vit. On veut plus être opprimé par la religion. Des malades. C'est cato. Faut que vous parliez de nous, faut que vous regardiez comment on vit là, faut que vous en parliez. On veut du pain, on veut du pain tous les jours. On veut plus avoir. Elle a quelque chose à dire, écoutez-la, on dirait. Ne plus avoir honte de la maladie. J'ai la syphilis, je suis obligée de me cacher. Les bourgeois, c'est qu'eux qui ont les médicaments. Nous aussi, on veut des médicaments. On ne peut plus avoir honte, on est des pestiférés. Et après la révolution, peut-être qu'on aura le droit de manger et un petit peu le temps d'aimer. Pensez aux vraies choses de la vie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Nous sommes un groupe d'officiers et nous avons la ferme intention de proposer nos services au nouveau pouvoir. Oui, en effet, il nous paraît urgent de prendre en main l'organisation de cette formidable insurrection, à savoir l'encadrer, la diriger, la former et l'équiper, pour qu'enfin elle prenne la défense de ce nouveau pouvoir qui se met en place. Voilà. Je voudrais dire que si le peuple a montré son intelligence et son enthousiasme, l'organisation lui fait cruellement défaut. Notre rôle va être de mettre sur pied une armée parisienne efficace et qui marchera en bon ordre. Il y a effectivement le désordre, mais dans les quartiers populaires, il y a des volontaires qui se présentent, des cordonniers, d'autres gens, mais ils n'ont aucune expérience et on va en faire des vrais hommes pour occuper les forts et pour attaquer Versailles. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Général Dombrowski. Colonel Ankorovic. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on est venu ici aider les Français dans cette lutte contre la tyrannie et continuer la guerre que nous avons commencée il y a des années en Pologne. Télévision nationale Versailles, Laurent Duchampetit, bonsoir. Henri Gauthier, bonsoir. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors ce soir, un nouveau sujet d'émission spéciale, sujet très controversé, les étrangers. On sait que le parti de l'étranger a joué un rôle déterminant dans le mouvement insurrectionnel. On me parle de ces noms accouchés dehors qu'on entend dans la commune. Ils viennent de partout. Dans toutes les réunions, dans tous les groupuscules, il y a des étrangers partout.
c'est pas compliqué. Donc, si on regarde au niveau de la garde nationale, c'est infesté de Polonais. Oui, c'est Dombrowski, Krapilinski, Otlowitz et tous les skis de la Terre. On ne sait pas tous les skis de la Terre, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là. En tout cas, ils n'ont pas l'air de faire très bien leur travail, de toute manière. Vous avez déjà une expérience dans ce genre de conflit ? Oui, bien sûr, on a fait plusieurs combats dans les villes, on a dirigé guérilla en Pologne, on a longue expérience de diriger armée non professionnelle. Merci. 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 Et donc, comme vous le savez, on est dans une situation assez spéciale, avec d'un côté la révolution et de l'autre le quotidien qui continue. Donc là, nous nous trouvons dans l'église Saint-Ambroise du 11e arrondissement. Je comprends la peur, je comprends la détresse de l'âme, je comprends le refus de la souffrance. Que nos amis et voisins l'expriment par la colère, cela s'explique. Mais tuer, tuer, pourquoi remplacer le dialogue, même difficile, par le meurtre sans raison? C'est une triple faute, d'abord une faute politique. Tuer sans raison, c'est donner des martyrs à ses opposants. C'est aussi une faute sociale. On voudrait savoir la réaction en ce moment de l'Église sur les événements d'hier. Monsieur le curé nous a dit qu'on avait tué hier, mais il nous dit tu ne tueras point dans l'église. Alors, on en a tué deux. Combien on va voir en représailles? 4, 5, un quartier entier? On ne sait pas. Qu'est-ce que t'en penses? La violence, ça n'a jamais été une solution. Mais qui a permis que mes deux enfants meurent de faim et de froid? Qui? Dieu, ils disent Dieu est miséricorde. Et ses enfants, ils étaient tout innocents, ils n'avaient pas encore le temps de pécher. Et le prêtre, il était où? Il était où quand je me suis fait violer par mon patron? Ça ne l'a pas empêché de me jeter après comme une malpropre. Vous pratiquez toujours? Si on veut manger tous les jours, ça aide quand même. On a le droit à la soupe, on peut ramener quelque chose à la maison. Puis j'ai toujours été élevée comme ça. Et le prêtre, il m'a dit que c'était péché de le faire passer, le petit. Mais maintenant... À quoi ça sert de faire des enfants si ils doivent mourir maintenant? Et que Dieu nous laisse la liberté de choisir ce que nous ferons de la vie qu'il nous a donnée. Mais tuer n'a jamais résolu les problèmes. Dieu nous a donné la vie pour la vivre, pas pour la détruire. Ainsi soit-il. Bonjour madame, vous n'êtes pas à l'église en ce moment en train d'écouter le sermon? On n'est pas dans l'église, non. Pour nous, la religion, de toute façon, elle maintient les femmes dans l'ignorance et dans la passivité. Mais vous avez vu les enfants, là, comment on les éduque, toujours la tête en bas. Jamais il y en a une d'elles qui pourra lever les yeux et puis dire non, je suis contre, jamais. On leur apprend que la hiérarchie, la soumission, l'église est aux mains du pouvoir. On apprend pas à penser par nous-mêmes. Et moi j'aimerais que mon fils soit instruit, qu'il soit pas curé quand même. On leur apprend l'autorité divine. Bonjour, nous nous trouvons encore devant Joachim Rivière. Oui, reporter au Père Duchêne, rappelez-vous. Bonjour, je suis en train de recueillir l'opinion des gardes nationaux à propos d'élections communales par le comité central. D'ailleurs, à ce propos, tu as une opinion très intéressante. Est-ce que tu peux nous la donner? Oui, Raoul du 140e. Voilà, je pense que le comité central de la garde nationale a eu un rôle très important puisque dans la défense de Paris et aussi dans le renversement du gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a une légitimité qui est surtout militaire. Et moi, je pense qu'il faut lui donner une plus grande assise et qu'il faut donc voter, élire une commune qui représente plus le peuple de manière plus efficace encore. Merci. Télévision nationale Versailles, dernier vol. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec une douleur profonde que nous devons donner le récit des désordres dont Paris est le théâtre depuis hier. Nous venons d'apprendre avec horreur que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été sauvagement exécutés par la foule qui s'est interposée lors de la reprise des canons de la garde nationale. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Moi je suis la patronne de l'atelier de confection et du lavoir en même temps. Qu'est-ce que vous pensez des événements d'hier? Moi je comprends plus, je suis catastrophée. On a tué deux généraux, à quoi ça sert d'abord? Tout le monde espérait que le calme allait revenir, qu'on allait pouvoir retravailler. Là, actuellement, je ne sais pas ce qui va arriver. Je n'ai plus de commandes. Je prendrais bien des commandes de n'importe qui et au moins pouvoir payer les ouvrières. J'ai plus d'argent pour les payer.
Merci, ça vous dérange pas qu'on vous pose quelques questions à vos ouvriers? Ah non, bien sûr. Bonsoir. Vous travaillez ici? Oui, enfin quand je peux, quand j'ai du travail, je viens, mais en fait ça fait 3 jours que je viens et il n'y a jamais de travail pour moi. J'ai plus rien à manger à la maison, je sais pas ce que je vais faire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des événements qui viennent de se passer? Ah ben moi je trouve ça formidable qu'on ait tué 2 généraux parce que nous on est en train de mourir de faim. Nous c'est l'espoir qui avons tué des généraux et c'est la misère qui nous tue. Alors il faudrait quand même changer les choses. Moi je suis là comme mon ami en train d'attendre du travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'instruction. Il est temps qu'on se dirige vers la liberté et la fraternité. Et je crois que c'est le moment les filles. Ouais. Moi je travaille dans l'atelier, là je suis assez âgée. Mais j'ai toujours vécu dans la misère. J'ai une famille nombreuse, j'ai jamais pu lui donner tout ce que je voulais. Je trouve que ma situation a toujours été épouvantable. Je ne sais pas ce que j'en pense exactement de la situation parce que je ne sais pas. Mais j'aimerais bien que mes enfants vivent mieux que moi, hein, car vraiment, j'ai vécu une vie de misère. Moi, je trouve pour les généraux qu'ils ont tués, je trouve que je suis contente. C'est bien qu'ils ont éliminé ces 2 chiens enragés. Et je veux que ça continue comme ça, qu'on les élimine tous pour qu'on puisse vivre tranquillement. On veut travailler, on veut manger. Voilà. Les canons, c'est notre sang. On ne va pas pleurer sur la mort des généraux. La patronne, elle a des aspects gentils, mais enfin, c'est quand même une bourgeoise. Les bourgeois nous ont tout confisqué, 3 révolutions. Et en plus, ils se sont récupérés notre bon Dieu. Ça suffit. Nous voulons le respect et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Et de dignes salaires. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre patronne? Il faut qu'on reste des heures jusqu'à même presque la nuit. On est exploité. On veut de quoi manger, de quoi vivre. Et un petit peu, une vie décente un peu. La différence, c'est que c'est notre patronne, ok, on la respecte. Mais nous, on ne mange pas, elle mange. Elle mange, elle a des bénéfices. Elle ne fait n'importe quoi pour que nous, on ne mange pas. Je préfère pas parler. Moi, ça fait 1 semaine que j'ai commencé à travailler, mais je ne suis pas encore, toujours pas payée. Et je ne sais pas quoi faire. Pour le moment, j'ai pas à manger, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que disent vos ouvrières? Moi, je croyais faire assez bien pour elles. Bon, je sais qu'elles ont des enfants, je sais que les maris sont partis. Bon, elles rentrent à la maison, elles n'ont pas d'argent le soir pour les nourrir, mais moi-même, maintenant, j'ai plus de commandes et je sais vraiment pas ce qui va nous arriver à nous tous. Puis on veut partager, il faut que les richesses soient pour tout le monde. On veut du travail, d'accord, mais on veut être payé pour notre travail. Ouais. Voilà, mais on travaille tout le temps et on n'a rien à la fin de la journée. Elle garde tout, c'est pas vrai quand elle dit qu'elle fait quelque chose pour nous. Oui, on peut venir comme des chiennes, des galeuses toute la journée à l'atelier. On dépend de son bon vouloir de toute façon. Et même maintenant, je sais pas si j'aurai du travail. Maintenant, vu ce que j'ai dit devant elle. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'elle vende son gros collier, qu'elle partage l'argent pour tout le monde. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis quand elle dit qu'elle a pas les marchés, de toute manière, ce qu'elle fait aussi, c'est que les bénéfices, elle les partage jamais avec nous. Nous, c'est ce qu'elle disait. On trime 13 heures par jour, on n'a rien à manger quand on rentre chez soi. Et elle a chaud dans sa maison. Hein. Vous pensez que ça va changer alors maintenant pour vos ouvrières ou pas? Ben moi, je suis prête à prendre des marchés de n'importe qui pour pouvoir les garder, les payer. Et puis qu'elle donne à manger à leurs gamins, mais si j'ai pas de marché, je pourrais pas. Pourquoi à chaque fois nous on travaille pour vous et c'est vous qui avez la meilleure vie? Pourquoi c'est nous qui crevons et pas vous? Il y a toujours eu des patrons, il y a toujours eu des ouvriers, il y a tout changé. Les temps changent toujours. Les temps changent et c'est aujourd'hui que ça a commencé. On va se battre, on va aller jusqu'au bout, vous entendez? On va aller jusqu'au bout, en aucun moment on va s'arrêter. Nous c'est l'avenir, on est les jeunes. Jusqu'au bout, jamais on s'arrêtera. La rue, elle est à nous maintenant. Cette rue-là, elle est à nous. Ouais, est-ce qu'on en lâchera plus? Ce qu'il faut, c'est un médecin qui veut bien nous soigner. Oui. Excusez-moi, oui, de quoi avez-vous besoin? Moi, je voudrais simplement dire une chose. Moi, je suis enceinte. Je veux pas que mon enfant il vive ce que nous, on est en train de vivre. Je veux pas qu'il mange du rat. Je veux pas qu'il soit en train de bâtir des barricades, là. Je sais pas, mais... Les soeurs arrivent. Laisse passer ces dames.
Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que j'attends? Oui. Alors, on attend de partir, là. On attend de partir sur Versailles, on attend les munitions, le comité central, on sait pas ce qu'il fait. Moi, je vais te dire ce que j'attends. J'attends. On change de conditions de travail. Nos gamins, nos enfants, à 12 ans, 10 ans, travaillent 12 heures par jour. Ouais. Nous, on se casse le corps, femmes, enfants, même adultes. On se casse le corps pour travailler, misère de salaire, on n'a même pas assez pour vivre à peu près. Tout juste ça. Voilà. C'est ça. Nous, on crée de la richesse. Ouais. Où est-ce qu'elle va, cette richesse? Du coup, c'est vous de l'éducation religieuse, vous en pensez quoi? Il faut arrêter d'être opprimé par la religion. L'enfer, il est pas là-haut, l'enfer, il est ici, l'enfer. Mais quand même, c'est des pauvres. Moi je suis pas orpheline, mais je suis allée à l'école des heures, faut voir ce qu'elles te mettent dans la tête, mais c'est n'importe quoi, quoi. Il faut une école laïque, il faut qu'on ait la possibilité d'apprendre que nos enfants aient une éducation autre que religieuse. Éducation révolutionnaire, il faut maintenant leur apprendre tous les principes qui sont les nôtres aujourd'hui. Il faut que tous les enfants soient comme cela. Il faut qu'ils aient les principes sociaux. Il faut qu'ils puissent se battre avec nous. Et c'est comme ça qu'elle se fera la révolution. C'est comme ça, elle se fera pas en 3 semaines. Elle se fera, ça prendra des années. Il faut apprendre aux enfants. Il faut qu'ils soient avec nous. Il faut que voilà, c'est tout. Regarde l'éducation, regarde ce qu'on a obligé de faire. On est obligé de prendre le fusil pour se respecter. Mais c'est n'importe quoi. On a dans notre tête, on fait n'importe quoi là. Normalement, on devrait être des enfants normaux qui vont à l'école normalement. Et là, on est obligé de prendre le fusil pour se faire respecter. Vous trouvez ça normal? Mon fusil, c'est qui me l'a donné, ouais. C'est la garde nationale. Et je vais me battre, je vais me battre. Ça servira du fusil. Ça servira du fusil. S'ils le font, vraiment. Voilà ce que je t'avais à dire. Moi j'ai un autre message à donner. Et moi mes parents c'était des bourgeois, je suis venu ici, j'ai passé ma route. Et maintenant je leur dis, plus jamais je vais entendre parler de vous. Au revoir. Les mains. En classe. Après, chez les femmes, c'est à peu près le même topo. On a dans les leaders, on a par exemple une Elisabeth Dmitrieff qui paraît une aristocrate russe envoyée par Karl Marx, de je ne sais pas d'où, qui arrive et qui enflamme Paris. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de la rencontrer. Il paraît que c'est une très belle femme. Elle met le feu, excusez-moi de l'expression. Je crois que Paris est embrasé par une quantité de peuplade immaîtrisable. Mais on me parle aussi d'arabes dans la garde nationale. Oui, alors dans la garde nationale, il y a des arabes aussi. Oui, exactement, des arabes. Mais qui viennent d'Algérie, je suppose. Ah bah oui, d'Arabie, sûrement. Bah, c'est ça. Je alors, sais pas d'où. Vous savez qu'il y a des élections qui se mettent en place en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez? Bah justement, on a discuté avec ces dames qui se mêlent maintenant de politique. Bah alors moi, ce que j'en pense, c'est que ça sert strictement à rien de faire des élections. Alors, c'est comme d'habitude. Alors, il y a des gens qui disent « Ah bah faites-nous confiance, on va gérer pour vous ». Qu'est-ce qu'ils veulent? La révolution, on la fait avec les gens, on va pas la faire en haut, on la fait pas quand on est au-dessus des gens. Non, ce qu'il nous faut, c'est ici en bas, on va s'organiser, on va faire des comités, parce que c'est nous. C'est nous-mêmes qui avons les armes. C'est nous-mêmes qui avons le pouvoir. Le pouvoir de production, c'est le vrai pouvoir. Le pouvoir politique, c'est n'importe quoi. Et c'est nous qui allons nous organiser. Pas un de ces gens qui sont là en haute manière, ça va tous être des bourgeois parce qu'eux, ils savent lire, ils savent écrire. Et le peuple. Est-ce qu'il y aura un ouvrier là-bas en haut qui va nous diriger? Justement. Maintenant, il faut constituer un gouvernement populaire avec composé d'ouvriers révolutionnaires, des gens comme nous qui souffrent, qui savent ce que c'est. Non, mais qui savent ce que c'est que l'exploitation, qui savent ce que c'est que l'humiliation. Qui savent ce que c'est que trimer pour des salaires de misère,
et qui effectivement peuvent donner au peuple les moyens de prendre son destin en main, de se gouverner lui-même et d'acquérir une autonomie pour sortir définitivement de l'esclavage dans lequel on est plongé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, de toute façon, je vote pas. Donc, c'est vrai que c'est quand même la première chose par rapport à ces élections. Si on veut vraiment que le peuple soit tous concernés, c'est que les hommes et les femmes, mais surtout les femmes, aient le droit de vote et participent. Cette révolution, on l'a fait, les hommes et les femmes. Donc maintenant, il faut continuer. Nous, les ouvrières, on est prêtes à s'engager, on est prêtes à faire des choses. On n'a pas le droit de vote, mais on est en train de s'organiser. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ouvrières dans tout Paris qui sont en train de se mobiliser parce qu'elles sont prêtes à se battre et à ce que les choses changent définitivement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais moi, j'étais pour qu'on y mette le feu à l'ancien hôtel de ville, parce que j'ai bien peur qu'à fréquenter des lieux pareils, où on a sorti des gens qui nous asservissaient avec un régal incroyable, qu'à se prélasser sur les fauteuils en velours, eh bien, on y prenne un peu trop goût. Et pour la suite, eh bien, je suis pas tout à fait sûre d'avoir confiance. Citoyens, citoyennes, bonsoir. Bonsoir. Nous voici à présent dans l'hôtel de ville. Rendez-vous compte, pour moi, c'est la première fois que je peux rentrer dans ces lieux. Derrière cette porte, il y a un couloir. Et au bout de ce couloir se trouve la salle où se réunissent actuellement une vingtaine de membres du comité central de la garde nationale, dont Édouard Moreau. Et oui, la garde nationale n'a aucune intention de conserver le pouvoir et met tout en œuvre pour organiser des élections mercredi prochain. Ce sera donc à vous, citoyens, de décider d'ici peu au bureau de vote si la commune sera proclamée oui ou non. Et je cite Édouard Moreau, « Il faut préparer les élections communales et vous donner une récompense, celle que nous avons toujours souhaitée, l'établissement d'une vraie république. » Il a également ajouté qu'en attendant, le comité central continuerait à tenir l'hôtel de ville au nom du peuple. Me voilà à Paris, dans les mécontents du gouvernement. Moi qui avais horreur des Parisiens toujours en révolte. Je ne puis te dire ce que je pense du gouvernement qui ne fait rien pendant 3 semaines pour reprendre aux insurgés les canons. Puis un beau matin, s'avise de le faire sans avoir pris la précaution pour agir avec succès. Et ayant manqué son coup, se sauve à Versailles, laissant l'insurrection maîtresse, sans avoir rencontré la moindre résistance. Messieurs, messieurs, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous et maintenant travaillez bien, mes enfants. Prenez vos livres de lecture et ouvrez à la page 111. Céline, tu commenceras. Le titre de la lecture aujourd'hui, Être heureux, d'avoir la conscience tranquille. Enfant, le vrai bonheur ne vient pas du dehors. Il vient du plus profond de notre âme. Il vient de notre conscience. Je suis heureux, tu sais. Qu'est-ce qui va changer pour vous, monsieur? Tout va changer. J'avais jamais osé l'espérer. Tout va changer. Oh oui, allez, dansons. Bonjour. Que pensez-vous de cette journée? Eh ben, acheteur, c'est chez ouvriers qui savent être le mouette. Parce que Herbeilleux et que Maco vivant, tièche qui s'occupe de nos misères à nous, chez ouvriers, aux vivants comme des chiens. Alors, vive le commun, la nuit. Vive le commun. Bonjour madame, que pensez-vous de cette journée? Je pense qu'ils ont raison de se révolter, mais je ne voudrais pas que ça aille trop loin, ça dégénère trop. Hein. Comment ça, trop loin? C'est tout à fait légal, ils sont élus. Qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Ils se laissent mener, là, par des étrangers. Ça recommence. Toutes nos grandes valeurs sont bafouées. Qu'est-ce que c'est que ces élections? Une poignée d'insurgés, c'est tout, mais c'est pas du tout représentatif de ce que pense la population, pas du tout. Moi, j'ai très peur. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes républicains, mais nous voulons le calme. Que le calme nous revienne. Nous voulons la paix. Voilà. Partie de la nation française. Ces gens se croient en 1789. C'est absolument grotesque, mais c'est illégitime. Aucune idée. Ils savent même pas. Complètement, une manipulation, voilà. Quand même, mais... Non, allez.
un chant révolutionnaire, madame. Merci. Bonjour. Alors, comment s'est-vous cette journée? C'est magnifique. C'est formidable. C'est magnifique. Tout va changer. Et enfin, Paris est à nous. Voilà, Paris est à nous. Dis-lui. Dis-lui, c'est à nous. C'est vraiment... Oui. Qu'est-ce que ça va changer, oui, pour moi? Moi, j'ai été 4 mois dormir dehors. Et maintenant, j'ai un abri. C'est égalité. C'est la vraie révolution pour les ouvriers. C'est une révolution. C'est une révolution pour nous. C'est une révolution pour nous. Merci. Que pensez-vous de cette journée, madame? Oui, très bien. Vive la commune. On a gagné. Travail, paix et travail, c'est là que réside notre avenir. La République fera de la France l'ami du faible, le protecteur du travailleur, l'espoir des opprimés du monde entier et la base de la République universelle. La commune que nous fondons ici sera le modèle de toutes les communes. Le pays et le gouvernement seront heureux et fiers d'applaudir cette révolution la plus fertile de notre histoire. Citoyens, citoyennes, nous, les membres élus du comité central de la garde nationale, désormais élus de la commune par la volonté du peuple de Paris ici présent, remettons au nom du comité central entre les mains du conseil de la commune le pouvoir que les événements nous avaient confié. Merci. Et maintenant, on va donner la parole aux... J'aimerais ajouter un mot. Quant au comité central, il reprend définitivement les attributions qui étaient les siennes à l'origine. Je vous remercie. Et encore là aussi, voudrait prendre la parole. Votre liberté, les élus d'aujourd'hui la garantiront avec énergie, la consacreront à tout jamais. Frères entre vous, laissez-vous guider par des frères. Vers la voie de l'avenir avec fermeté. Facilitez les travaux en vous prêtant aux réformes indispensables. Groupez-vous donc autour de 20 communes avec confiance. Notre but à tous est la République universelle. Merci. Bien sûr, avec les femmes. Avec tous, les enfants, les femmes. Non, les ouvriers, pas, les travailleurs. Les ouvriers.
la Carmagnole, après ce qui s'est passé en 89, en 1830, en 1848... Mais enfin, madame, c'est un jour de fête aujourd'hui. Ils ont été élus par la moitié de la population de Paris. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? On a le droit d'être ici, nous faisons partie de la nation, madame. Vous n'êtes pas sensible à toute cette espérance? Non, nous sommes crèveront de faim, madame, ils crèveront de faim demain. Il n'y aura plus personne pour leur payer leur salaire. Regardez les enfants qui sont dans la rue. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est formidable, je suis très très émue. J'espère que ça va être la fin de quelque chose. Vraiment, on attend ça depuis très très longtemps. Vraiment, j'espère que ça va nous apporter une chose extraordinaire. Mais je doute quand même. J'ai peur. Alors pourquoi vous êtes ici? Eh ben forcément, moi j'ai besoin d'argent et sans mon argent, je peux pas vivre. Et si vos parents vous regardent en ce moment à la télévision, qu'est-ce que vous pensez? Bah justement, je suis là pour un peu sauver ma ferme et rapporter de l'argent, mais bon. Sauver la France, c'est quelque chose aussi quand même. Ouais, c'est vrai, mais en arriver là, c'est quelque chose aussi. Lorsque Francinet se retrouva seul, il repassa dans son esprit continue tout ce qui lui était arrivé depuis la veille. C'était justement à cette heure-là que le jour précédent, son cœur s'était empli de tant de fiel et de jalousie. Alors justement, Monsieur Thiers, dernièrement, a proposé que le journal Le Gaulois et Le Soir soient diffusés auprès des soldats de vos armées pour remonter le moral des troupes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une chose extrêmement importante, parce qu'il faut que cette confusion qui règne dans les esprits cesse. N'oubliez pas que cette soi-disant commune s'est bâtie sur le crime. Deux de nos généraux ont été assassinés. Notre armée a été déshonorée par un vulgaire, la populace, un Montmartre. Il faut que nous expliquions, nous, armée et aussi le gouvernement, quel est le défi, quelle est notre mission pour l'avenir. Ils sont arrivés et ce sont des voyous. Ils se comportent comme des vauriens et on va montrer qui est là pour faire régner l'ordre. Et les soldats le comprendront très bien, je crois. Et nous n'allons pas laisser Paris aux mains de cette racaille cosmopolite. Voilà. Certainement pas. Parce que les Français... Certainement pas. Des voyous menés par une poignée de meneurs qui ne sont pas sûrement pour la plupart français. Ça, je pense qu'il faut être assez clair. Le problème n'est pas de savoir si on va se battre contre des Français, mais de remettre l'ordre en France. Qu'ils soient français ou autres, c'est pas le problème. Notre mission en tant que soldat est très simple. La République est en danger, on vient, on nous appelle. On a été formé pour ça, on est là pour ça. Vous êtes tous bien d'accord là-dessus. Je pense que les Français ont besoin de savoir, là la France vous regarde, les Français ont besoin de savoir si vraiment leur armée parle d'une seule voix, oui ou non. Oui, tout à fait. Bon, sera intraitable. Oui. Nous n'avons pas d'état d'âme, monsieur, et nous allons rétablir l'ordre. L'ordre intraitable là-dessus. Et donc vous pouvez nous garantir que les soldats qui sont venus de partout en France pour défendre la France vont vraiment... apporter à la France une victoire? Oui, pour défendre la liberté et savoir exactement ce que c'est la commune. C'est la terreur, c'est les crimes, c'est des choses que la République ne peut pas accepter. Et de toute façon, c'est le désordre, mais c'est ce que ça, c'est déjà... On n'est pas ennemi de la France, on n'est pas ennemi des Français, les communards provoquent le désordre, c'est tout. Le problème n'est pas plus compliqué que ça, je crois que... On va intervenir, on va remettre de l'ordre et puis tout ira mieux. Et les Français comprendront très bien, de toute façon, je ne crois pas qu'un seul peuple au monde ait envie de vivre dans le désordre. Donc nous sommes les garants de cet ordre-là et on va faire en sorte que tout se passe bien. Par tous les moyens. Voilà, par tous les moyens, même si c'est difficile, même s'il faut se battre.
Écoutez, sur ces bonnes paroles, la France vous regarde et on espère, on compte sur vous. Merci. Nous vous en prie, merci. Ici à Paris, la grande place devant l'hôtel de ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la commune à l'hôtel de ville. Tous vos élus sont debout sur une estrade, leur écharpe rouge faisant écho au drapeau rouge, recouvrant littéralement la façade de l'hôtel de ville. Le résultat des élections, il y a 80 élus, seulement 12 sièges restent à pourvoir. 13 élus du comité central de la garde nationale, 4 radicaux, 15 membres du parti des maires, 9 blanquistes, 4 néo-jacobins et 11 socialistes indépendants. On va dire quelques extraits de la presse de l'utilisation du père Duchesne. Avec la commune, les bons nombres de prolétaires vont enfin réclamer leurs droits pour recueillir le fruit intégral de leur travail. Et pour le cri du peuple, la proclamation de la commune consomme de 20 ans d'empire, 6 mois de défaite et de trahison. Merci à la commune. Maintenant, nous allons essayer de faire quelques témoignages. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est en train de parler de l'installation des gens de la commune, etc. La proclamation de la commune, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un espoir pour les gens. T'as vu le moment, je crois qu'on n'allait pas parler d'un commune. Maintenant, voilà. C'est la fête, tout le monde est heureux, tout le monde a envie de profiter de ce moment. On va parler de ça maintenant, chaque chose en son temps. Non, mais c'est important sur les joueurs, mais il faut aussi développer un esprit critique. Vous ne faites aucune analyse, vous donnez les informations comme ça, telles quelles. C'est important aussi de produire des analyses, faire des propositions. C'est un peu délicat à faire parce qu'on essaie aussi de donner la parole aux gens. Donc pour faire des extraits, enfin tu vois, pour le comité de salut public. Tu vois, regarde, on donne bien la parole aux bourgeoises, franchement, on va pas lancer ça parce que c'est on va pas imaginer une seule minute que des gens à la commune ils vont mettre en place un comité de salut public. Jamais ils vont mettre en place un comité de salut public et d'une. Donc, que tu sois contre, d'accord, mais à ce moment-là, pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne produis pas une analyse par rapport à ça? Je comprends pas. C'est un petit peu délicat à faire. Nous, on a plutôt tendance à vouloir, je sais pas, donner l'opinion aux gens, donner leur avis. On ne donne pas notre opinion aux bourgeoises. On peut demander l'opinion à un curé, on peut essayer de faire tourner ça pour faire un peu des conflits quoi, de ce qui se passe. Non, mais tu peux être critique. Et tu peux être pour la commune. C'est-à-dire que c'est important, à mon avis, pour nous, de pointer des problèmes pour justement qu'on puisse être mieux résolu. Il y a ça d'une part. D'autre part, c'est vrai que votre travail, une fête d'interview, c'est très intéressant parce que c'est des gens qui ont des choses à dire. Oui. C'est la première fois qu'on leur donne eux seuls peuvent dire ce que c'est lié à leur situation. Et ça, c'est vrai. Mais c'est trop court. Tu laisses pas les temps. Et on a besoin d'avoir un rythme comme ça, regarde les gens pour qu'ils puissent être captés par la télévision comme ça. Il y a besoin que ça soit un rythme, quelque chose d'assez saccadé, d'assez bref comme ça pour tenir l'attention des gens. Autrement, si on s'étale, si on fait des débats qui s'étalent comme ça, au bout d'un moment. Non, les gens, c'est pas des imbéciles. C'est leur révolution. Il faut mais on donne la parole, ce qui fait que ça nous permet de donner la parole à tout le monde, tu vois, un panel de gens comme ça, assez large. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tout est saccadé dans ce cas-là. Regarde, si je prends un extrait du père Duchesne, n'importe où, quoi, pas de pitié pour les gens fous, point d'exclamation, pour aucun, point d'exclamation, je veux dire, tout est toujours saccadé. Non, mais bien sûr, si tu prends juste un extrait, qui vont se faire tuer par le machin. C'est par l'extrait, c'est tout qui est écrit. Mais non, c'est tout qui est écrit avec des. Ouvre l'œil, ami, ouvre l'œil, si tu vois, les plans, etc. C'est pareil. Si tu lis le numéro en entier, si tu lis le numéro. Vous êtes journaliste ? Vous êtes journaliste ? Oui. Savez-vous qu'il y a actuellement, depuis janvier, il y a une nouvelle insurrection en Algérie et qui dure toujours. Celle-ci, à la suite du retour d'Espahi. D'Espahi ? Espahi, c'était une sorte de garde nationale et de gendarmerie autochtone qui était censée faire ses services que sur le territoire algérien et qu'on a forcé aller se battre sur le front prussien. Et au retour de ces derniers, bon, après la défaite, je dis retour parce que la plupart ont laissé leur peau là-bas, parce qu'on les a utilisés comme chair à canon.
Et puis c'est l'étincelle qui a fait qu'actuellement c'est la catastrophe là-bas. Mais ils se battent contre qui en ce moment? Contre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis ça c'est dur, on n'arrête pas. Il n'y a pas que ça. Depuis leur arrivée, les soldats français en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens et soucis au conflit de colonisation européenne. Et ben, les gens maintenant là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français et ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien. Et on les tue. Voilà, c'est la misère totale. Citoyens, citoyennes, bonsoir. Bonsoir. Nous nous trouvons à nouveau devant les portes du Conseil de l'Hôtel de Ville pour tenter de vous rendre compte des débats qui s'y animent depuis 2 jours. Ce qui risque d'être difficile vu qu'une des premières décisions prises a été de fermer les séances au public. Ces derniers jours, on a pu entendre qu'il y avait un peu de tension entre la commune et le comité central de la garde nationale, à savoir qui des deux détient les rênes du pouvoir. Les délégués Chalin et Mortier auraient demandé à ce que le comité central de la garde nationale cesse d'être et que tous les pouvoirs appartiennent désormais à la commune. Et une question reste à débattre. Qui gouverne la France? La commune ou l'Assemblée nationale réfugiée à Versailles? Pour le cri du peuple, la réponse est claire. L'Assemblée de Versailles, si elle pouvait avoir le moindre grain de bon sens et s'avouer que son mandat est terminé, devrait se retirer et abandonner la place aux véritables élus du pays. Et pour le père Duchesne, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre en décrétant dès la première séance la dissolution de l'Assemblée nationale. Dispersez-la, sommez-la de se dissoudre, écrasez-la si elle résiste. Vous êtes la force, mais seulement parce que vous êtes le droit. La commune a passé aujourd'hui les décrets suivants. Un premier décret concernant la suspension du paiement des loyers et un deuxième interdisant les jeux de hasard. Tout joueur de dés, roulette, loto, etc. sera immédiatement arrêté et amené à la préfecture. La garde nationale veillera à ce que tous les discours soient publics. Exactement. Je le dis. La garde nationale sera garante. Oh, les secrets militaires, on sait ce que c'est. Ça permet quoi, les secrets? Mauvais exemple. Citoyens élus, vous devez prendre position. C'est le début du secret, c'est le début de la manigance. Le peuple a le droit de savoir. Quelle est votre position? Pourquoi tout de suite on voudrait nous confisquer le pouvoir? Quelques temps après, comme ça, on nous reprend et on n'aurait plus le pouvoir. Reproduire le système du passé. Personne ne veut confisquer le pouvoir. Vous interdisez de rentrer. Aux discussions, vous interdisez de rentrer. Nous, on veut que le pouvoir soit au peuple, qu'il revienne au peuple et que celui qui décide. Bravo. Du passé, exactement pareil. À quoi ça sert tout ce qu'on fait si vous reproduisez le système du passé? Mais moi, je suis partisan de toute façon pour que ce soit public. Le citoyen nous aide parce que lui il fait quelque chose pour ça. Mais nous ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on nous laisse rentrer au débat parce que nous avons le droit au débat et qu'on nous mette pas des décrets absurdes sur les histoires de 2D, de loto et tout.
Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes très tôt le matin, le 3 avril, la garde nationale s'apprête à marcher sur Versailles. Il y a eu apparemment des attaques hier sur Courbevoie. Oui, bonjour, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là? Je pense qu'on va aller à Versailles et qu'il est temps qu'on y aille, parce que ça fait 10 jours qu'on attend ça. Mais moi je vais vous dire, les gars du comité central, c'est des incompétents, parce qu'ils ont laissé les gars de s'organiser à Versailles. Voilà. Je partage tout à fait l'avis de mon compagnon citoyen et nous partons avec des moyens. Regardez, j'ai pratiquement pas d'armement sur moi, très peu de munitions, sans nourriture. Le comité central n'a pas conscience de ces problèmes. Mais moi je crois, citoyen, que là on est parti pour aller fraterniser avec nos camarades de Versailles qui sont encore dans l'ignorance du grand élan populaire qu'il y a là sur Paris. Et là, on va aller leur expliquer, on va aller leur montrer. Il faut leur expliquer les valeurs et les principes de la commune. Et aussi que le peuple de Paris est derrière nous. Je pense que ça sera suffisant et que n'importe quel citoyen comprendra ça. Regardez ce qui s'est passé le 18 mars. Le 18 mars, il y en a un qui a commencé à baisser son fusil. Après, tous, ils ont baissé leur fusil. Moi, je crois encore à l'humain. Je crois que c'est encore possible. Mais si, c'est encore possible. Non, mais Stéphane, c'est comme à la cordonnerie quand tu fais crédit. Attention, l'autre fois, c'était des petits gars de Paris, autour de Paris. Là, c'est une armée monarchiste, des Vendéens, d'accord? C'est autre chose, avec des officiers qui sont des nobles, tu vois, c'est autre chose. Il y a 400 députés à l'Assemblée de Thiers. L'armée de Versailles, elle appartient aux monarchistes. C'est le retour de la royauté, ils vont nous piquer la République. Ouais. Faut faire attention, et puis il faut se méfier de Thiers, parce que... Il est manipulateur, il faut faire attention quoi. Il faut pas lui laisser. On lui a laissé trop de temps. Non, mais le vrai ennemi s'appelle Bismarck, c'est le Prussien quand même. C'est quand même le Prussien l'ennemi. C'est lui qui nous aime. Qui sont monarchistes, le drapeau royaliste en tête, tu vois. Moi je suis pas d'accord, le drapeau blanc, hein. Merci beaucoup, merci. Citoyen Mortorol, citoyen Osé, où en est la police actuellement? Eh ben écoute, mon ami, on est en train de réorganiser une police nouvelle. Nouvelle en ce sens que jusqu'à maintenant, la police s'occupait de préserver et de protéger les intérêts de la bourgeoisie moderne. Et que nous, on va s'attacher à préserver, à protéger et à servir les intérêts du peuple. Ça fait une sacrée différence, non? Nous comptons d'ailleurs sur le peuple pour faire lui-même sa police avec nous et l'aide de la garde nationale, en effet. Hein, on ne va pas travailler du tout comme le faisait la police impériale. Tout à fait. Merci. Il faut savoir juste une chose. Moi, c'est vrai qu'il y a un petit côté délation, quand il s'agit de protéger encore une fois le peuple, il n'y a pas question de délation ou autre. Il faut savoir qu'en ce moment, dans Paris, un certain nombre de gendarmes et de sergents de ville ont laissé tomber l'uniforme pour endosser l'uniforme de l'anonymat. Et ça va nous poser quelques problèmes, parce qu'ils sont en train de prendre des renseignements au travers de discours qui peuvent se faire dans les cafés. Et ça peut nous porter un grave préjudice, je pense. Donc méfiance, 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 c'est le mot d'ordre. Et vigilance. Grande vigilance. Merci. Bonjour mesdames, vous êtes au courant donc, de la grande sortie. Hier, il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Église et l'État sont séparés, c'est merveilleux pour nous, quoi. Mais les Versaillais ne nous laisseront jamais dans cet État-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles ne nous laisseront jamais proclamer pour tout le monde la séparation de l'Église et de l'État. Ça sera la lutte. Ça va être la lutte. Ben, ça sera la lutte. Ben, ça sera la lutte. Moi, je suis croyante. Citoyens, avez-vous lu le premier des principes de la République française, qui est la liberté? La liberté de conscience, qui est la première des libertés. J'insiste bien. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Bravo. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Ouais. Enfin. Merci. Il nous faut de l'argent pour nous. On continue de la révolution française. Bonjour ma sœur, on aimerait savoir ce que vous pensez de la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'est pas le moment, monsieur. Vous devez bien avoir une opinion là-dessus quand même. Non, oui, peut-être, mais ça n'est pas le moment de la dire. Au revoir, monsieur. On peut être croyant, on peut croire quelque chose, mais forcément dans l'institution, parce que en fait, ils nous font toujours culpabiliser chaque fois qu'on fait quelque chose, surtout nous les femmes. On n'a jamais droit à la parole, ils viennent, ils nous disent...
police, fais comme ça, de quel droit ils nous dictent notre conduite? Ça, on veut plus ça. C'est un peu ce que je pense aussi. C'est-à-dire, moi, je suis croyante, je vais à la messe d'ailleurs. Mais je pense que, autant c'est normal que l'Église s'occupe des affaires religieuses, autant je veux pas qu'elle se mêle de mes affaires, qu'elle me dise ce que j'ai à faire. Elle m'a dit que je ne devais pas avorter, elle n'arrête pas de nous culpabiliser, nous en tant que femmes, et je pense que ce n'est pas son travail. Vous savez le curé, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment madame, pas de bébé cette année? Vous trouvez ça normal qu'un curé vous dise ça? Elle n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que je viens de la campagne, je viens de Picardie. Ben, là-bas, le curé, il était bien, il nous aidait, les pauvres gens. Et ici, ben, depuis que je suis à Paris, il n'y a que le curé de la paroisse d'à côté qui nous aide. Alors s'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les pauvres gens? Il n'y aura plus personne pour nous aider. Mais oui, mais moi, je pense que les cornettes, elles nous aident. Mais les curés, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Puis de toute façon, la République, elle t'en donnera du travail. Et puis, elle s'occupera de toi aussi bien. Il faut absolument aller à Versailles. Il faut absolument sauver la République. Courageusement, même si c'est difficile. Bonjour, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation militaire en ce moment? La situation militaire, on la connaît pas bien. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut aller à Versailles, là-bas, parce que sinon on ne pourra pas se rendre compte. Annoncez-moi, à Versailles, il y a un appel aux femmes qui est lancé dans les journaux. Écoutez ça, citoyennes. Allons dire à Versailles ce que c'est que la Révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la Commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Ça, c'est beau. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Oui, citoyennes, allons à Versailles. Oui, mais pour parler, sans les armes. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Le 18, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Il faut les convaincre. Le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires, et il y avait des problèmes d'organisation avec les canons, et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ça n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. Non mais d'accord, mais maintenant, on va quand même pas... L'armée versaillaise s'est reconstituée, c'est une armée forte, on a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole. Et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas partir tout de suite. Vous êtes bien naïfs, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine, qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles, mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr. Ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous. C'est une tiers qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire? C'est évident qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armé. Et moi, je peux vous le dire. Je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y en a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même parce que moi je souhaite pas qu'il y ait de la violence, je souhaite pas qu'il y ait de sanglier. Alors, mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour 4 femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule moi? Bonjour messieurs, les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Pardon. Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque. Mais bien sûr, il faut accueillir toutes les bonnes volontés pour l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées, elles ont beaucoup de courage. Et toutes celles qui veulent venir, on les accueillera bras ouverts parce que je pense que ce sont des bonnes combattantes et... elles vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'entends? Oui. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question, il n'en est pas question du tout. Non mais vous entendez ça, Brunet? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre et à se poser en ce moment. Celle-là peut-être attendre. Lorsqu'il faut faire, c'est aller à Versailles. Et vite. Restons tout de même pratiques, les femmes peuvent servir.
à la cuisine, à la culture, peut-être à l'infirmerie, et certainement dans l'alcôve, n'est-ce pas, comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce que, en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles? C'est de mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de femmes en tant qu'ambulancière, par exemple, dans votre corps de métier? Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportune pour le moment. Comment ça, est inopportune? Et en fonction de quoi elle serait inopportune, la présence des femmes aux côtés de nos blessés? Sont nos maris, sont nos hommes? Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire et il n'est pas prévu dans nos serments d'engager des femmes sur les champs d'opération. Pourtant, il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont formées pour être médecins. Certes, elles n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Mesdames, je ne remets pas. C'est la guerre civile qui nous menace. C'est la guerre civile qui nous menace. Vous ne comprenez pas ça? Si on comprend bien, bien sûr que non. Mais ce sont vos frères, vos maris. Mais tout à fait. Justement, c'est d'autant plus légitime qu'on y aille. Mais ce sont vos enfants. Ce sont vos frères, vos maris. Non, mais ça, c'est des moyens bourgeois aussi de nous culpabiliser. Parce que c'est pas nous qui les envoyons. Les hommes sont libres, madame. Libres d'aller se battre s'ils l'entendent ainsi. Ça ne vous fait rien d'aller les faire tuer? Mais on ne va faire tuer personne. Ils vont se faire tuer tout seuls. Ils vont se faire tuer par nous-mêmes. Si vous avez des problèmes de conscience avec ça, mais vous pouvez aller à Versailles leur parler à notre place. Mais vous voyez, on n'a pas été à Versailles. Nous sommes restés avec vous. Nous sommes avec vous, bien que nous soutenions. Vous êtes avec nous, mais vous n'acceptez pas notre participation. Mais non, pas du tout. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous alliez faire tuer vos maris, faire tuer vos frères. Mais ça ne nous regarde pas. Maintenant, ce qu'ils font, c'est être sur les barricades et soigner ces gens. Et on se propose de s'organiser, d'apporter notre soutien et notre aide, mais si personne n'en veut, on s'organisera seul, on n'a pas besoin de l'organiser. Peut-être que dans l'avenir, ça va s'organiser et que peut-être vous pourrez aider. Mais quel avenir? C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça est en train de se faire, c'est pas dans 10 ans. Jésus, c'était l'artiste, le meneur, l'anarcho, le charpentier toujours en grève. Jésus, l'artiste, le meneur, l'anarcho, le charpentier toujours en grève. Vous en avez fait le dieu des bourgeois. Vous en avez fait le dieu des bourgeois. Et notre belle Sainte Vierge, la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge de la jeunesse. Avec son petit voile bleu, avec son petit voile bleu, son petit Jésus, vous l'avez violé. Vous êtes un salaud, vous êtes un salaud, vous êtes des salauds. Quant à vous les curés, qui prêchez l'ordre de la famille, on en a marre de l'ordre de la famille, des maris. On veut être libre, enfin libre. Mais personne ne vous oblige à vous marier. Vous êtes des parasites qui vivez sur le dos du peuple. C'est l'argent qui devrait revenir au peuple. Votre argent dans les églises, c'est honteux ce luxe que vous avez mais dans les églises. C'est pas notre argent, c'est l'argent du peuple de Dieu, des gens qui ont accepté. Mais ça n'existe pas, le peuple de Dieu. À tous ceux qui veulent venir. À tous ceux qui veulent venir. Non mais je. Allez, nous appelons à tous. À tous les bâtiments dans le désir. La tête. Ça n'est pas en ayant un fusil qu'on résout un problème, parce qu'aujourd'hui vous êtes du bon côté du fusil. Vous pensez avoir raison, et si demain quelqu'un en face de vous a un fusil et vous pas, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus raison? Mais on ira lui prendre son fusil. Et s'il tire avant que vous lui preniez, vous serez mort sans avoir prouvé que vous aviez raison. C'est pas le fusil, madame, qui prouve la raison. Excusez-moi, madame de Fer, vous semblez un c'est peu énervée. C'est la qualité de ce que vous... Ben oui, moi je suis absolument catastrophée de tout ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Mon mari est mort à la guerre, moi je sais pas ce que je vais pouvoir faire toute seule devant toute cette bande. Je suis inquiète, il faut sauver les l'outil de travail, et qu'est-ce qu'on va faire là si tout le monde nous agresse comme ça? Moi je me sauve dans la campagne, j'ai peur là maintenant. Vous avez peur? Bah oui, moi j'ai peur, parce qu'elles savent pas une minute raisonner. On ne peut plus même pas parler avec elles. Alors qu'est-ce que ça va faire? Comment elles écoutent un peu ce qu'on veut leur dire? Mais parce que ça fait des années qu'on s'est tu. Alors bien sûr, on est excités plus que d'habitude. Mais on est pareil que toi, on est une femme. On ne sait pas ce qui va arriver après. Alors après, vous allez peut-être me tuer. Ah bah peut-être. Si t'es pas avec nous, peut-être. Si comme toi, t'enlèves ta robe et puis tu te mets en pantalon. Et puis là, on verra si c'est un homme.
les conspirateurs royalistes sont passés à l'attaque. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué. Ce matin, les Vendéens, les Chouans, les Bretons, les gendarmes ont couvert de mitrailles et d'obus le village inoffensif de Neuilly. Ils ont déclenché la guerre civile avec nos gardes nationaux. Il y a eu des morts et des blessés. Représentant la population de Paris, ouais, notre devoir est de défendre la cité contre ses agresseurs. Ouais. Avec votre aide, nous la défendrons. Ouais. La commune compte sur vous. Vive la commune. Elle compte sur votre courage et votre détermination pour repousser les Versaillais. Vive la commune. Que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelle vibration sort de nos poitrines. Ouais. Qu'ils me rapportent l'image de cette population glorieuse, cette armée populaire prête à donner son sang pour sauver la patrie. Ouais. Citoyennes, citoyennes, écoutez-moi. Laissez vos maris, laissez vos enfants faire leur devoir. Ouais. Tous à Versailles, bataillons, à mon gouvernement. Patriotes fiers, à vous l'honneur de porter le drapeau. Ouais. Ouais. De la garde nationale que vous êtes arrivé ici. Nous pensons qu'on ne manque pas d'enthousiasme chez ces soldats, mais malheureusement on manque d'entraînement, on manque d'équipement, ils ne sont pas encore assez bien organisés. Nous pensons que ça sera une cause d'importantes pertes, mais d'autre côté on n'a pas de choix, les soldats doivent se former sur le champ. Pourquoi êtes-vous en France? Comment êtes-vous arrivé ici? Il faut savoir que la situation en Pologne est très dure. Hein. Pour nous, est-ce que vous permettez, je préfère parler polonais. Oui, bien sûr. Po przegranym powstaniu w 63 roku. Après l'insurrection 63 échouée. Zostaliśmy skazani na roboty przymusowe. On était condamnés à un exil en Sibérie. Po udanej ucieczce z transportu na Syberii. Et après, nous avons échappé d'un transport vers la Sibérie. Udało nam się uciec do Francji. On a choisi la France comme pays d'accueil. Gdzie zaproponowaliśmy swoje usługi w armii francuskiej w walce z Prusakami. Et nous avons proposé nos services militaires pour l'armée française pendant la guerre avec les Prussiens. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe ici en ce moment? Mais pour nous, notre participation dans forces de la garde nationale, c'est la continuation de notre lutte que nous menons en Pologne depuis des années. Et premièrement parce que la Pologne n'est plus un pays indépendant depuis longtemps. Et nous avons toujours participé pendant l'insurrection et comme les militaires professionnels, nous avons toujours donné appui pour les forces
insurrectionnel. Puis en France, après notre départ de la Pologne, nous avons proposé nos services militaires pour la force française qui s'est battue à l'époque avec les Prussiens. Donc notre participation dans la garde nationale, c'est une sorte de conséquence de notre participation pendant la bataille à Paris. Il faut dire que beaucoup de nos collègues se battaient aussi en Italie contre Prussiens des côtés de Garibaldi. Pour nous, c'était un peu choix traditionnel. Moi, je suis né en France. Mon père qui est venu ici après d'autres insurrections polonaises qui a échoué en 1831. D'autres, je me sens aussi autant français que polonais. Et de plus, je pense qu'il n'y aura pas la Pologne libre sans la France juste et sans la France qui va gagner et sans la commune qui doit gagner aussi. Parce que pour changer l'Europe qui est injuste, il faut changer aussi l'ordre social en Europe. C'est notre engagement aussi. J'ai très peu de mots à adresser à l'Assemblée, mais les faits que je dois lui communiquer sont tellement satisfaisants. S'il y a quelque chose de satisfaisant dans la guerre civile, sont, dis-je, tellement satisfaisants que la brièveté du récit n'en saurait diminuer l'importance. J'en demande pardon à l'Assemblée, mais ma voix est éteinte. Je suis extrêmement fatigué. Et il me serait très difficile de me faire entendre à une grande distance de cette tribune. Hier, tout le monde le sait, nous avons eu un combat à soutenir contre ces malheureux qui, égarés par des pervers, veulent faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère. L'armée a prouvé qu'elle avait le sentiment profond du devoir et qu'elle avait, comme le pays, l'intelligence de la situation. Elle a montré un élan et une valeur remarquable. C'est terrible, c'est une vraie sauvagerie ici. J'ai vu ces femmes essayer de taper avec leur ombrelle et cracher sur ces pauvres prisonniers blessés. Et c'était très dur de les arrêter. Jamais j'ai vu ça de ma vie et j'en reste vraiment profondément choqué. Ouais, c'est vrai. Qui d'autre ? Vous ? Moi j'ai carrément vraiment été complètement étonné du comportement quoi, des citoyens pour lesquels on était censé se battre. J'aurais jamais, vraiment jamais imaginé ça quoi. Je pense que si nous n'avions pas été là, les prisonniers auraient été exécutés. Alors, mesdames, vous étiez vraiment en colère. Bien sûr, vous savez bien que ces gens-là ne connaissent que la manière forte, de toute façon. Ils sont le déshonneur de la France.
C'est un grand deuil, monsieur, c'est un grand deuil. La France livrée à l'anarchie, au suppôt de l'étranger. C'est insupportable. On ne peut pas laisser la dictature. De toute façon, c'est pas possible, c'est insupportable. C'est la honte, monsieur, c'est la honte pour nous. J'étais venue avec mes amis, mais j'étais emportée par la violence. Ils nous ont quand même fait quitter Paris. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent notre fortune, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a un risque de dictature, mais bien sûr, ça ne passera pas. Il y a les Prussiens qui sont à l'extérieur de Paris. Ils profitent. Exactement. Ils profitent de notre défaite. Ils profitent de la maladie de l'empereur. Ils profitent de ça pour le désordre. C'est scandaleux. Je ne perdrai pas. Déshonorés, manipulés, uniquement manipulés. Et nous avons dû fuir à Versailles, monsieur. Nous avons tout perdu. Voilà où nous en sommes. C'est une puanteur, enfin. Ils ne respectent plus rien. Plus l'Église, plus l'État, plus rien. Ils ont assassiné des généraux. C'est la raison. Le plus vite possible dans Paris. Ils méritent la mort. Vous retrouvez mon hôtel particulier. C'est tout ce que je demande. Manipulés par les étrangers. Oui, hein. Ça, nous le savons. Hein. Nous savons d'où ils viennent, hein, ces étrangers. Hein. Ce sont les Garibaldiens, etc. Oui. Alors, ils sont allés à Londres. Hein. L'empereur leur a permis d'aller à Londres. Et vous voyez ce qu'ils deviennent. Ce sont des ingrats, ces gens. D'ailleurs, le peuple, hein, c'est comme ça. Vous leur donnez ça, ils demandent le bras. Hein. Disons quelques personnes éclairées, une poignée de soi-disant éclairées, et une masse de gens qui ne savent se servir que de leurs mains. Quand ils viennent travailler, ils sont manipulés par les étrangers. Ils ont tout détruit et maintenant ils réclament du pain. Mais ils ont détruit leur force, ils ont détruit l'industrie. Mais il n'y a plus rien, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à se remettre au travail, ils auront à manger, il y a à manger pour leurs enfants. Je suis d'accord, madame, ils auront à manger pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent sans nous? Ils nous reprochent d'avoir capitulé. Qu'ils y aillent vers les Prussiens. Qu'ils les brandissent vers les Prussiens alors qu'à travailler. Qui les font travailler? Organisé la résistance contre les Prussiens? J'en ai pas vu trace d'une sérieuse résistance contre les Prussiens organisée. Mein Gott, nous en Allemagne, ce qu'on attend, c'est la paix, un gouvernement stable, afin de reprendre les affaires, c'est ça qui compte, les affaires, il faut que les deux gouvernements soient ensemble, et on veut signer un traité de paix, c'est ça le plus important, vous pouvez compter sur Bismarck, et entre l'Allemagne et la France, il y a des affaires extrêmement importantes qui peuvent s'établir si on écrase cette minable commune avec ses ouvriers. Ich weiß nicht, was die da wollen. Ich verstehe das auch alles überhaupt nicht. Bismarck, il a même relâché les prisonniers de guerre français. Mais vous comprenez pas que c'est pas Allemagne l'ennemi, que c'est vous qui vous massacrez entre vous-même. C'est tout d'abord une guerre franco-française. Wir kämpfen dafür und Bismarck, der steht da voll dahinter. Bismarck hat den Kopf dafür und Sie müssen das verstehen. Und das muss, il faut que ça s'arrête, mais tout de suite, tous les communards, il faut les écraser, il faut les tuer, ce sont les tueurs eux-mêmes. Les droits de l'humanité comme ceux de la guerre décrète
Article 1er, toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée. Article 5, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Mais nom de Dieu, quel aveuglement! Nous savons bien où sont les vrais otages! La Banque de France, les domaines! La guerre n'a jamais été une solution. La guerre, oui, maintenant, elle est nécessaire, pour l'instant. Mais la priorité des priorités, la Commune ne doit pas oublier la révolution non plus, que c'est l'éducation, les enfants. Il y a des enfants, regardez autour de vous, dans la rue, partout, qui traînent, qui restent. Il faut absolument les prendre en charge, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut vraiment que la Commune s'engage à ouvrir des crèches pour libérer les femmes. Les femmes ont trop de tâches quotidiennes qui les arrasent, qui les avilissent. C'est pas possible, ça. Il faut que la Commune s'occupe de tous ces enfants qui traînent dans les rues, mais qu'ils les prennent en charge dès le plus jeune âge, même avant même qu'ils aient l'âge d'aller à l'école. Réellement, c'est pas possible. Il faut socialiser les enfants. Je pense que c'est le seul moyen. La conscience collective. Citoyens, citoyennes, nous sommes au cœur du dispositif militaire de la Commune, dans le cabinet du citoyen Cluseret, qui a été nommé il y a quelques jours ministre de la guerre et commandant en chef de nos armées. Le citoyen Cluseret s'est entouré d'un groupe de prestigieux officiers étrangers, dont le général Dombrowski, un militaire de carrière polonais ayant servi sous les ordres de Garibaldi, qui l'estimait particulièrement. Il a été nommé commandant de Paris et du secteur de Neuilly. Oui, toujours dans un esprit d'ouverture et d'internationalisme, le général Dombrowski a confié le commandement au général La Cecilia, d'origine italienne, ainsi qu'aux généraux Wrobeski et Okonomi. Madame, nous avons croisé votre mari, comment va-t-il ? Oh, pas très bien, il est épuisé, il essaye de se reposer un peu, mais je sais pas si vous savez, mais la guerre semble vraiment déclarée avec Versailles, donc je pense qu'il va repartir, donc voilà, on n'est pas très bien. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose ? Oui, j'ai très peur. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des généraux étrangers dans cette armée, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, ils auraient quand même pu trouver un général français. Mais alors, quand même. Ça peut faire que. Hey, en attendant, qui va défendre les intérêts de la, du peuple ? Eh ben, rien n'empêche pas l'autre. Ils sont parfaitement capables, pourquoi pas ? Et puis les Français aussi, ils sont capables. Il y a plus d'un étranger qui a largement défendu les intérêts de la France. Et Théron, qu'est-ce qu'il fait pour aller se battre, défendre la Commune ? Ah, faut pas rigoler. C'est lui le plus jeune. Et le libre choix, qu'est-ce que vous en faites du libre choix d'aller se battre ou de ne pas se battre ? Est-ce qu'on n'aurait pas le choix de se battre ou de ne pas se battre ? Exactement. Tout de même. Sinon, c'est là, c'est pas la bonne. Pourquoi il va pas se battre ? C'est carrément juste. Pourquoi les autres vont le crever alors que lui, il va être là, planqué dans sa bijouterie ? Non, mais n'importe quoi. Mais il y a trop de réfractaires. Viens avec nous sur les barricades. Viens. Oui, mais il y a notre mère qui veut pas. La trouille. Qu'est-ce qu'on apporte, votre famille ? Mais notre mère, elle veut pas. La trouille, elle veut pas. Ouais, mais arrête. C'est dangereux. Papa et papy, ils veulent qu'on y aille. Ils vont aller se battre. C'est les jeunes, et Théron, ils restent là. Hein, c'est scandaleux de voir ça. C'est honteux. De plus jeune, je te dis. Si t'avais l'âge de combattre, tu devrais t'en faire. S'il faut y aller, on va y aller. Crimée, monsieur. Moi, je me suis battu en Crimée. Et en 1848, à Versailles, vous avez vu comment ça s'est passé à Versailles. Mais bon Dieu, vous avez vu Agnès, comment elle est inquiète. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de se battre ? Mais on va se battre ici dans la cour, c'est ça ? C'est ça, on va... Tuez-le alors ! Faites présenter les armes ! Garde à vous ! Présentez armes !
Au champ! Comment ça se passe, madame? Je suis très contente de madame Defer, notre patronne. Elle a ouvert l'atelier, le lavoir, mais on n'aura pas d'augmentation. On a besoin de vivre. Mais bon, les gens ont un peu de travail, c'est déjà une bonne chose. Il y en a qui n'ont rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation là en ce moment, de ce qui se passe? Ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvrages. On est de moins en moins payés. Je m'étais mis d'accord avec un prix avec la patronne, et ce matin, elle vient de me dire qu'elle va me payer la moitié de ce qu'elle m'avait promis. Avec ça, je peux pas vivre. Et du travail, j'ai même pas assez de temps pour le terminer. J'ai trop d'ouvrages à faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, je sais pas, qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer entre femmes. Il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui en ont trop, il y en a plein qui dorment dans la rue. Il faudrait qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter. Ça sert à quoi discuter? C'est mais organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action. C'est pas en discutant que les choses, elles vont s'arranger. Ils ont là la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins faire des trucs. Voilà. Que ça, nous, d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. C'est bien de s'organiser, mais c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Mais maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on n'a que ça à faire, on n'a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. Hein. En ce moment, tout le monde est parti à la guerre. Bon, et puis en plus, je vous paye moins, je le sais. Mais je fais ce que je peux. Ah, mais attendez, mais moi, je suis même pas payée, moi. Attendez, vous parlez d'argent, mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez ce drap-là, c'est une vieille dame. Elle peut pas travailler, la vieille dame. Alors moi, je lui lave à sa place. Et puis son salaire, il est moindre. Eh ben, c'est elle qui l'aura, le salaire. Voilà. Et eh bien, ça, moi, je trouve qu'il faudrait faire que la mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, du 11e. Mais combien ils vont nous payer aussi? Je suis en train de négocier. Ah, c'est au moins du travail. C'est du travail, mais si on n'est pas payé, ça sert à quoi? Mais laissez-la parler, je peux jamais rien vous dire. Allez, laissez-la parler. Je suis en train de négocier avec la mairie pour avoir le contrat des chemises des officiers de la garde nationale. Mais ça se fait pas en deux jours, des négociations avec l'administration. Bonjour, nous sommes ici dans la mairie du 11e où la municipalité s'est organisée depuis notre dernière visite. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je m'appelle Beau Picard et depuis quelque temps on a pris la mairie et je m'occupe de tout ce qui est l'état civil et en même temps la mise en place d'une commission concernant les pensions pour les veuves de guerre et puis dès maintenant pour l'assistance aux nécessiteux, une aide financière. Voilà. Citoyen Verdure, bonjour, que faites-vous ici? Eh bien, en tant qu'élu du 11e, élu à la commune, je viens le plus souvent possible à la mairie pour m'occuper des tâches administratives. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons procéder à un parrainage républicain, qui est le grand événement de la journée. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites exactement ici? Je tiens le registre de l'état civil, je contrôle les allées-venues dans la mairie et j'établis des fiches de renseignement. Quel est votre nom? Blanche Capet. Merci. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis le citoyen Pâté, je suis délégué aux subsistances. Je distribue des bons de brouet national pour une personne et un repas et des bons de 500 grammes de pain pour ceux qui sont inscrits sur les registres. C'est mon rôle à la mairie que nous avons fixé. Et vous, que faites-vous? Moi, je suis son assistant. C'est une procédure qu'on avait déjà mise en place avec le précédent maire pendant le siège. Mais pendant le siège, il y avait très peu de subsistance. Pour l'instant, on a un peu à donner. Bonjour, excusez-moi. Que faites-vous? Alors, je m'appelle Charles Capellaro, je suis délégué municipal ici dans l'arrondissement et je m'occupe de l'intendance de la garde nationale. L'équipe pas, l'armement, les bons d'alimentation. Et là d'ailleurs, j'ai un garde national qui vient me réclamer des bons d'alimentation. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'a pas l'état des lieux de ses besoins. Il me demande un papier écrit du chef de compagnie, mais il ne m'a rien donné. Demandez à votre chef de compagnie qui vous donne ce papier. Et vous revenez et je vous donne satisfaction. Voilà.
présenter, s'il vous plaît? Henri Apollon Guillaume. Je m'occupe des opérations de maintien de l'ordre, réquisition, perquisition, arrestation, et éventuellement dénonciation également. Excusez-moi, et vous, que faites-vous ici? Alors, je fais partie du sous-comité, délégation civile. Je recueille les dépositions qu'on veut bien m'amener pour l'arrestation des réfractaires, les perquisitions et les réquisitions. Bonjour monsieur, c'est pour la télévision communale, on voudrait savoir ce qui se passe ici. On interroge le citoyen, là, qui traîne les barres. Il répond à mauvaise parole. Un réfractaire, aussi. Mais, alors citoyen? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il répond à mauvaise parole, il tient des propos défaitistes. Il était complètement alcoolisé hier soir, mais je pense que on l'a vu dans le 11e parce que les bars sont moins chers qu'à Versailles peut-être. Alors qu'est-ce que tu réponds à TV Communale? Je sais pas, je viens de me réveiller ici, j'étais au bar hier et je me retrouve ici, entre vous. Des questions d'espions, mais je suis un... J'étais au bar et qu'est-ce que vous me voulez? Briser le moral de l'homme pour vous donner toute conscience de son utilité. Que nous êtes petits. Bonjour monsieur, que faites-vous ici? Je prépare le premier numéro du journal Le Prolétaire qu'on fera paraître dès qu'on aura trouvé des fonds pour pouvoir faire cette publication. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce journal? Il y aura tout ce que les habitants du 11e arrondissement voudront mettre pour défendre une ligne politique, pour défendre un certain nombre d'idées. Voilà. Je peux vous donner un peu la ligne politique du prolétaire, si vous voulez. Nous, prolétaires, nous sommes la solidarité, l'union et l'égalité. Nous voulons la suppression de tout privilège, de tout monopole, pour leur substituer la loi de la capacité, afin que le travailleur puisse profiter réellement du profit de son travail. Nous voulons l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Nous voulons que l'élu soit toujours prêt à rendre des comptes devant son électeur. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce qui sera débattu dans la rue, dans les réunions, et qu'on fera paraître dès qu'on le pourra dans le journal. Voilà. Valentine Rombert. Comment vous pouvez oser traiter les femmes comme ça? La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11e à essayer de recueillir par tous les moyens nécessaires des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles. Ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Or, moi, en tant que commissaire du 11e arrondissement, je vais appliquer ces mesures de manière extrêmement radicale, même si elles paraissent un peu impopulaires, et mettre en place une surveillance extrêmement étroite et systématique concernant tous les faits et gestes de tous les habitants du 11e arrondissement. Quoi sur mon mari? J'ai déjà dit au commissaire. Mon mari est parti à Versailles, comme son métier l'exigeait. Votre mari n'a rien à faire à Versailles. Aujourd'hui, le gouvernement, mon mari, c'est la commune. Son métier et c'est son problème. S'il doit sa vie à moi, quelqu'un... Moi, j'ai une maison à gérer, des enfants à élever. Vous croyez que c'est facile? Divorcée, citoyenne. Divorcée. Devant nous, Augustin Verdun, délégué municipal du 11e arrondissement, le citoyen Vatrin Gérard, la citoyenne Desgranges Marie, vous déclare vouloir présenter leur enfant Lucien afin de le placer sous la protection de l'autorité légale et républicaine émanant de la libre volonté des suffrages. Vous avez également déclaré vouloir donner à votre enfant comme protection particulière le citoyen Lazare Stéphane et la citoyenne David Lucie comme marraine, qui en accepte le rôle et la charge si ses parents viennent à lui manquer, de l'élever dans le respect des institutions démocratiques, de développer en lui les qualités morales, humaines et civiques indispensables afin qu'il soit à sa majorité un citoyen avide de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l'égard de ses semblables. Messieurs, nous avons ce jour lancé une offensive
contre les forts d'ici et devant. Tous les deux doivent être neutralisés afin de permettre au siège de débuter de l'autre côté de la Seine. Si le fort d'ici ne tombe pas dès le début de l'offensive, il risque par sa position dominant le fleuve de prendre les assiégeants en enfilade. Le fort de Vanves doit être réduit au silence, car il peut apporter un soutien en artillerie à son voisin. Une fois les deux forts neutralisés, l'attaque principale se portera sur l'angle sud-ouest de la ligne de défense, au point du jour, là où l'enceinte est la plus faible. Messieurs les journalistes, Monsieur Thiers, est-il vrai que votre stratégie prévoit le bombardement de Paris ? Mais non, monsieur. Mais non. Il s'agit bien d'un bombardement. Mais non, monsieur. L'artillerie n'a jamais bombardé Paris. Elle a simplement tiré du canon. C'est un bombardement. Mais non. De toute façon, la situation est simple. Je travaille actuellement avec une compagnie privée du génie qui installe sur une colline une batterie d'artillerie pour réduire au silence le fort d'ici. De telle sorte que nos troupes puissent passer par le point du jour. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec M. Hoffmann, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les États-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des États-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, Monsieur Hoffmann, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays ? En effet, ministre Washburn estime que les intérêts desquels nous sommes chargés seraient mieux servis si nous restions à Paris. Alors, nous resterons, malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent la légation à 20 pieds de mon fauteuil, actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'Arc de Triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans dont les jambes ont été emportées hier par un obus juste à l'entrée d'une église. Quoi qu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent, on peut cependant espérer que les particuliers n'auront pas à souffrir des excès de tous les hommes de pillage que la commune traîne à sa suite et qui sont occupés par les batailles de chaque jour. Les arrestations du clergé, le pillage de quelques grandes caisses suffisent à leur fureur et à leur convoitise. Monsieur de Gobineau a dû abandonner son appartement de l'avenue Joséphine. Les obus y tombaient. Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie ? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830, c'était pour dans l'unique but de mettre la main basse sur les richesses du pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça commençait par confiscation des biens, dépossession des terres et finalement privation des libertés. Le citoyen algérien est réduit à l'esclavage. À sa perte de l'identité. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on attend des gens? On leur tout trie. Justement, on a contre c'est impossible. Par exemple, on a contre qui se mouffe de Chira. Le Bourge Boualeriz. Il y a des fois les gens qui ont fait des choses. Sur la répression, mais qui n'a pas de nom, et la fuite. Il a réussi à fuir. Oui, ouais, il a eu du mal à fuir. Apparemment, il y a des. Le soulèvement général d'Est en Ouest. Oui, mais ce qu'il dit le camarade, c'est que la répression est impitoyable. Les villages sont brûlés, incendiés. Là-bas, par exemple, son père a été dépossédé de sa terre. Mais justement, c'est ce qui se passe là. Vous avez raison de dire tout ça. Mais là, la situation est très très grave là-bas. Vous vous rendez compte? On est en train de tuer des gens et tout ça. Et il faut réagir par rapport à ça. Par exemple, moi, ma famille, sont tous des commerçants depuis des siècles. Hein? Et on leur a dépossédé leurs terres, on leur a confisqué leurs biens. Et vous trouvez que c'est normal? Il faut se révolter de... On va même jusqu'à effacer notre culture, mais de toute façon, ils ont dépossédé les terres, donc le blé il n'est pas à nous, d'accord, mais les terres ils le sont toujours, hein, le blé que vous mangez ici, le pain que vous mangez ici. Bah c'est, ça vient du blé, de chez nous. Il a raison. Ça fait des années que je voyage à travers le monde. Moi, je suis allé dans les pays pauvres, je suis allé en Algérie, je suis allé en Afrique. J'ai vu les méfaits de la colonisation sur le pillage des terres. J'ai vu comment piller la culture aussi, les individus, les cerveaux. J'ai vu tout ça dans tous ces pays-là. Ça, c'est vrai, ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent qui circule. L'argent, il est roi aujourd'hui. L'argent, il est roi. Les marchandises, elles circulent. Et les hommes des pays pauvres. Les hommes des pays pauvres, ils n'ont pas le droit de circuler. On leur dit stop, vous n'avez pas le droit de circuler. On peut vous piller vos richesses, mais vous n'avez pas le droit de circuler. Ça, c'est vrai. C'est une bagarre à mener, ça. On nous remet le droit à l'existence jusque dans notre culture. On veut effacer notre culture. Bataillon, à mon commandement, Kabouk. Je vous rappelle qu'il y a un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le commandement préparatoire vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire. Rapport. Kabouk. L'arme à la hanche. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le 11 avril et nous assistons au départ pour le front d'un nouveau bataillon de la garde nationale. Oui, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et le moral des troupes est bon, très très bon. Nous allons maintenant rencontrer Agnès Noiret, que nous avons déjà vue il y a quelques jours. C'est difficile pour nous de couvrir à la fois les événements, les interviews et de continuer à tenter de vous maintenir informé de ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Bonjour. Votre mari est toujours sur le front? Oui, depuis 3 jours. Vous savez où il est? Non, justement, j'ai aucune nouvelle.
Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Les seules nouvelles qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et donc, voilà, il faut absolument que j'essaye de savoir. Comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche? On m'a conseillé justement d'aller à la Légion, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est quelque chose, c'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci, bon courage. Merci. Oui, pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaise qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction. Une citation du Cri du Peuple: il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun. Mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. Oui, et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même d'écrire contre elle. Allons vite, mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis. Ce sera prouvé là votre force. Marquez le pas! Marche! Pour la défense de Paris et le soin aux blessés vient d'être créée sous la présidence de la citoyenne Elisabeth Dmitrieff. Le but de l'Union des femmes est de rallier entre elles l'ensemble des ouvrières de Paris afin qu'elles unissent leurs forces pour soutenir la commune dans la lutte qu'elles mènent contre toutes les tyrannies. Vive la commune ! Elle demande aux femmes de se mobiliser au plus vite, car Paris et la patrie tout entière sont en danger. Or, ce n'est pas l'étranger qui revient envahir la France. Non, ces assassins du peuple et de la liberté sont des Français. Ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel. Tous ceux qui s'enrichissent de notre faim, de notre fatigue, de notre sueur, de notre misère. Nous ne voulons plus de maîtres, plus d'exploiteurs, mais le gouvernement du peuple par lui-même et le bien-être pour tous. Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit et devenir des êtres humains libres. Citoyennes, il faut agir et agir vite. Il faut nous organiser pour aller porter secours à nos maris, nos fils et nos frères qui sont en train de se battre, mais aussi pour sauvegarder la commune qui seule peut mettre fin à l'asservissement dont nous sommes victimes depuis trop longtemps. Vive la commune! Vive la commune! Vive la liberté! La commune ne dépend pas seulement des actes de ceux qui siègent à l'hôtel de ville, mais aussi des nôtres et de la volonté que nous avons de construire un monde et un avenir qui nous appartiennent. Voilà raison! Notre idée est que chaque arrondissement possède son propre comité local. Je vous invite donc à créer l'Union des femmes du 11e arrondissement. Il est question que la mairie nous attribue prochainement une salle. Le lieu et la date de la prochaine réunion sera donc affiché sur les murs de la mairie dès demain matin.
monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais voir les officiers de la Légion. C'est pourquoi ? Je suis à la recherche de nouvelles de mon mari, qui est soldat dans la garde nationale. La garde nationale ? Il est où exactement ? Au 66e bataillon. Je vais me renseigner. Alors, capitaine Lemonnier, 66e bataillon. Bonjour. Il y a une dame qui voudrait avoir des renseignements sur son mari qui est au front. Bien, faites-la attendre. Écoutez, je reviens du pont de Neuilly qu'on est en train de tenir là. Ça fait 3 jours, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça fait 3 jours, je vous donne estafette sur estafette pour avoir du renfort et rien. Alors qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, hein, capitaine, des estafettes, on en reçoit 50 à 60 par jour. Là, on n'a pas le temps de répondre à tout, vous attendez un petit peu, c'est tout. Enfin, je vous assure que moi, les hommes sont démobilisés. Oui, on est tout seul, si on est isolés. Vous n'allez pas prendre leurs ordres à la mairie. Je vous rappelle que c'est sans notre accord qu'ils vont prendre des ordres. C'est ici qu'on prend les ordres. Les affaires militaires, c'est nous. Si vous voulez, état-major dans la région, que non. Vous avez des hommes, donnez-moi. Je veux des hommes frais et équipés. Écoutez, Lemonnier, vous aurez le 138e bataillon demain matin à la place Voltaire. À moins évidemment que le sous-comité nous utilise pour la parade. Capitaine, vous voulez de l'efficacité, vous allez être servi. Sachez que le général Cluseret a donné des directives très précises pour qu'à partir de maintenant, tous les capitaines de bataillon puissent faire la police au sein de leurs hommes et arrêter les réfractaires. Vous allez d'ailleurs, vous allez commencer tout de suite. Écoutez, voici un ordre de mission concernant un certain Bercourt, rue de la Folie-Méricourt. Vous voyez que c'est comme ça que les gens vont adhérer à l'armée. Écoutez, c'est à vous de faire installer l'ordre dans votre bataillon. Nous instaurons un conseil de discipline et vous pouvez dire à vos hommes que les soldats qui ne seront pas à l'appel n'auront pas de solde et maintenant rompez. Vous ne ferez jamais aimer la commune avec ça. Je vous salue. Faites entrer la citoyenne. Citoyen, il faut 3 gardes. On va aller chercher un Lucien Bercot, 34, Folie-Méricourt. Allô ? 34. Allons, faites entrer la citoyenne. Je connais les gens de 34, ils sont très bien. Je suis à la recherche de mon mari, qui est dans le 66e bataillon. Quelle compagnie est-ce ? C'est la compagnie D. Quel bataillon ? 66e. Comment s'appelle votre mari ? Jean Lebert. Vous avez batté sur quel front ? Attends, je crois que le 66e. Je ne sais pas. Il a été envoyé. Il est à Lierre, je crois. Il est à Lierre. Ça va être simple. Alors, Lebel. Lebert. Je crois que c'est à Lierre. À Lierre ? Oui, je crois. Je les connais. Ah ouais, bien sûr. Sur proposition du citoyen Jour de déléguer aux finances une pension de 600 francs aux veuves mariées ou non de gardes nationaux tués pour la défense des droits du peuple. Et 375 francs pour ses enfants légitimes ou non, mais cela après enquête afin d'établir leurs droits. Et oui, j'ai ici une émouvante déclaration d'un groupe de citoyennes. Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre et mourir. Que les mères, les femmes qui se disent « Que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ce que j'aime ?» se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressés à se présenter avec pièces à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore? Je m'aurais dit que Jean était parti depuis 3 jours. Peut-être que je pourrais accompagner si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité? Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai accompagné au sous-comité, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux garder les enfants? Oui, non, mais laisse-moi les enfants, je vais m'occuper. Oui, je sais où c'est. Vous pouvez y aller, vas-y. Allez-y. Oui, très bien. On va s'en occuper. Bonjour, citoyen. Salut, la patrouille. On est à la recherche d'un citoyen, Lucien Bercot. Oui, connais pas. On a dit qu'il habitait ici. C'est bien ici, non? 34. Un blond. 34, de la Folie Méricourt. Bercot, oui. Il est dans la... En face, là-bas, dans le pavillon en face. Oui, au rez-de-chaussée, il est. Et toi, citoyen Doiron, attention à toi. T'es pas encore avec nous, bientôt qu'on va revenir, ça va être ton tour aussi.
C'est la guerre maintenant, il faut qu'on soit ensemble. Tous ouais, ensemble. T'as raison. Salut les gars, c'est pas bientôt la compagnie. Salut. 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 Citoyen Berco. Berco, ça va là. Descends. Descends, Berco, c'est le 140. Allez, Berco. On sait que t'es là. Allez, Berco. Berco. Tu vas sortir, ouais. Il est caché derrière sa fenêtre. Allez, Berco, descends. Il y a. Qui ça? Le sous-comité. Et vous, vous êtes qui? Officier de la 11e Légion. Ça se voit pas, non? C'est la Légion pour le sous-comité. Qu'est-ce qui se passe, là? Bouchard! Laissez votre famille! Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, ici, c'est moi la loi, c'est moi qui pose les questions. Laissez-moi ça. Un sac de la vie!